Bonjour, monsieur. Bienvenue. Comment allez-vous? Nous allons bien, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Mazi, nous sommes venus te dire que nous avons fini avec le travail. Donc, nous voulons toucher notre argent, monsieur. Vous avez fini de faire le travail? Oui, monsieur, nous avons fini. Êtes-vous sûr? Oui, très sûr, on a fini. Bien. Jeezy! Papa? Viens. Papa, tu m'as appelé. Va dans ma chambre. Mm-hmm. Hein? Regarde, la table sur la table. Je veux dire la plus petite table. Tu verras l'argent qui est dessus. Apporte-le comme ça que je puisse payer ceux qui ont travaillé pour nous. Vous avez essayé, les enfants. Vous avez vraiment bien fait. Vous avez vraiment travaillé dur. Voici l'argent. Ah, ok, d'accord. Merci. Merci. Merci, monsieur. Bien, voilà votre... Merci, argent. Monsieur. Est-ce que tu as oublié quelque chose? Mais, merci, monsieur. Merci, monsieur. Mais attends, Akati, c'est quoi au juste ton problème? Abraham, tu n'as pas vu ce que j'ai vu? Tu as vu quoi? La femme que tu as vue là-bas est ma future femme. Laisse-moi te dire, je dois tout faire pour faire en sorte qu'elle soit mienne. Akati, tu vois la raison pour laquelle je t'appelle toujours au Kempe? Akati, ce n'est pas toi qui m'as dit que si ce n'est pas Ada Obi, il n'y a aucune autre fille dans ce village. Abraham. Aujourd'hui, c'est une autre version. J'ai vu la façon dont tu regardais cette fille. Pardon, elle a ce dont j'ai elle besoin. L'avant, l'arrière. Akati. Ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Abraham, merci pour le rappel. Ok. Merci. Pas de problème. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour avoir cette femme. Tu peux aller la chercher. Que tu le veuilles ou non. Tu peux aller la voir. Va la chercher. Tu es mon ami, mais parfois j'ai du mal à te comprendre. C'est pour ça que je ne te donne que de bons conseils, parce que je suis ton ami. C'était à Derby maintenant. Ce n'est plus à Derby, c'est Shizi maintenant. La fille de Maziuba. Parce que nous sommes allés chez eux prendre l'argent. C'est pour ça que tu la regardes maintenant. Je l'aurai, que tu le veuilles ou non. Oh, oh. Va la chercher, c'est ce que je dis. Ah. Va la prendre maintenant. Je suis de ce pas en train de repartir là-bas. Achetez vos papayes. Bien mûr et sucré. Bien sucré. Ma chère. Munachi, Munana. Munachi, viens, ne reste pas en route. Dis-moi, tu as quoi sur le plateau là? Qu'est-ce que tu vends? Les papayes. Dépose le plateau, je veux voir. Je vais voir ce que tu vends. Ah d'accord, je vois. Je veux les fruits de 3000, tu auras la monnaie. J'en ai encore à la maison. Tu en as à la maison? Oui. Bah d'accord, c'est très bien. Prends-moi ceci, je veux le voir. Ramasse, regardez-moi ça. Mazi, quand est-ce que ceci a commencé? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ça a commencé depuis longtemps, je savais même pas. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Je suis amoureux. De qui? Ma chère, doucement. Mais ça a commencé il y a de cela très très longtemps. Ça a commencé juste comme ça, quand je te regardais, tu passais devant moi là. Le fait que tu tournes autour de moi. Regarde ta robe, attends, je vais. Tu sais même pas que cette chose est visible. Laisse-moi tranquille. Attends. Laisse-moi. Oh, la mort. C'est sérieux, hein? C'est sérieux. Laisse-moi. Écoute. Regardez-moi cette chair. Oh mon Dieu. Elle avance. Regardez-moi ça. Oh, une chair. Muna. Pourquoi est-ce que Dieu peut faire ce genre de choses? Moi. De toute façon, je te rai. Regardez comment ça fait dans la robe. Et il n'y a qu'on y a un kata. Oh. Ah. Pourquoi tu as fait tant d'injustices? Pourquoi? Une belle chair.
Mais c'est bon, lâche-moi. Tu vas te calmer. Calme-toi. Oh, mais cette gamine. Je vais rentrer, moi. Je vais rentrer à la maison. Oh, mon Dieu, Monachi. Monachi, pourquoi? Non, je vais la suivre. Putain, je vais rentrer. C'est mieux de rentrer. Monachi, un de ces jours, je t'aurai. Oh, mon cœur vibre tout à coup, juste à cause de cette chair. Je vais lui faire ma technique de passement de jambes. Grande sœur, s'il te plaît. Ah, s'il te plaît, ça va aller. Laisse-moi. S'il te plaît. C'est très irritant. Ah, regarde ce vieillard. Ce vieillard, je vais juste... Ah, laisse-moi. Et c'est juste très irritant. S'il te plaît. Je vais me porter et me livrer un vieux sang. Jamais de la vie. Grande sœur, s'il te plaît. S'il te plaît. Grande sœur, c'est bon, c'est bon. Arrête d'être aussi dure avec toi-même. Obime Pemaka, comment un vieillard comme ça peut me toucher? Mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Rien ne s'est passé, n'est-ce pas ce vieillard? Mazi Ebe. Mazi Ebe, comment? Qu'en est-il de lui? Qu'est-ce qu'il a fait? N'est-ce pas ce vieillard? Il m'a vu en route et il m'a dit de lui vendre des fruits. J'ai dit ok. Je me suis baissée pour descendre les fruits. Et l'homme a commencé à me toucher. Je ne comprends pas. Te toucher pourquoi? Je ne sais pas. Ce vieux? Ce vieillard est hanté? Hé, hey, grand frère. Grand frère, s'il te plaît, calme-toi. Grand frère, s'il te plaît, s'il te plaît, je t'en prie. Calme-toi. Je ne voulais pas qu'il soit au courant. Maintenant, tu vois? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu sais ce qu'il est capable de faire? Hé, hey, mais... Est-ce que c'est de ma faute? Ah, c'est même quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Fais-moi passer, s'il te plaît. Des armes forgées contre moi et rejetées. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me barres le chemin? Hein? Donc, n'es-tu pas au courant que je suis un ancien? Un respecté ancien dans ce village? Ou alors t'es tellement vieux que t'as plus les yeux pour voir? Tu n'as pas de respect. Franchement, tu es un ancien? Oui, tu l'as dit, je le suis. Toi, tu me fais rire. Ok, Rukaru et nous. Donc, tu sais que tu es un ancien? Et tu cours sans honte après Monachi? Une petite fille qui est assez vieille pour être ta fille? Tu cours après elle? Je venais juste chez toi pour t'avertir de rester loin de Monachi. Oui, parce que la prochaine fois que tu vas encore essayer de faire ce que tu as fait, tu verras la bête à moi. Ah. Oui, monsieur. Donc, t'es une bête. Donc, tu ne sais pas. On chasse les bêtes dans les brousses. Et c'est juste encore ce que tu as fait. Tu seras le genre de personne que je suis. Essaye encore. Okay, est-ce que tu penses à vieillir? Je vais devenir toute vieux. Ta vie? Et même plus vieux que toi. Mais je ne serai pas le genre de vieillard que tu prétends être. Tout ce que tu sais faire, c'est de courir après les petits-enfants si pour les gâter. Si tu es une bête, on va te chasser dans la brousse. Je viens de te le dire. Reste loin de Monachi, monsieur l'ancien. Reste loin de Monachi. Ok. Parce que tu ne vas pas aimer ma réaction la prochaine les fois. Les gens qui font du bruit n'actent pas vite. Ok, tu n'as pas mon âge. Ok, je te le répète. Tu n'as pas mon âge. Tu comprends, Kem? Okoro Wegu. Ou alors, Godo? On verra. Tu as compris? On verra. Kem, je t'ai prévenu. T'as bien entendu. Okoro Wegu. Ou alors, Godo? J'ai dit, ne fais plus jamais ça. D'accord. Okoro Iruero. Ou alors, Godo? Il boit quoi? Ogunu. Si tu es un homme, vas-y, essaye encore. Nkeneruero. Ou alors, Godo? Je te le répète, si tu es un homme, fais-le encore. Je t'ai prévenu. Reste loin de Monachi. Elle n'est pas ton égale. Si tu es incapable de draguer les filles, ne t'acharne pas sur moi. Un incapable. Peux-tu épuiser ses hanches? Tu ne peux pas. Ok. Épée Ozo. Épée Ozo. Et vous? Le grand est joué en personne. À te voir te parler à toi-même, j'espère que tout va bien. Ego, tout ne va pas bien. Hein?
Tout ne va pas bien. Hein? Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Nkème, ton fils est mon problème. Mon fils? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Nkème m'a arrêté en route tout à l'heure, en m'insultant et en m'accusant de quelque chose dont je ne connais pas. Quoi? Comme quoi? À propos de Mounati. Hein? À propos d'elle. Hein? Qu'est-ce que j'ai à faire avec Mounati? Et là, elle a essayé de me battre. Tu te rends compte? Mais je me suis enfui. Oh, à cause de cette stupide fille, Mounati? Mounati? Que je vois Mounati, que je la vois tout le temps, et qu'il a entendu que je l'ai rencontrée la dernière fois. C'est bon, prévenu ça suffit. Il fera ça. Je suis désolé pour ça, hein? Je vais résoudre ça. Je te connais, c'est pourquoi j'ai dit non. Il faut que je vienne te voir en premier. Vraiment désolé. Parle à ton fils, hein? Je suis un ancien respecté. C'est bon. D'accord. Ça va aller. Il faut parler à ton fils, Okoro. Il ne sait pas de quoi je suis capable, alors il faut lui parler. Ken! Où est-il? Où est-il? Où est ce stupide? Nai, qu'est-ce qu'il y a? Où est-il? Pourquoi tu cherches un Kem? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que tu sais que ce misérable garçon a juré de ramener les problèmes dans cette maison? Hey. Papa, mon frère n'est pas un problème pour cette famille. Est-ce que tu peux la fermer, idiote? Nai, qu'est-ce qu'il a encore fait, hein? Est-ce que tu sais que ce gars est allé chez Mazepe? Et a menacé de le taper, en fait. Il a essayé de le taper. Kem, mon fils. Heureusement que l'homme s'est échappé. Juste à cause de cette méchante sorcière. Cette stupide fille, Mounati, qui a tué ses parents. Comme ça, il aura le temps de monter et descendre avec les hommes. Mounati? Oui. Ah, que s'est-il passé? Maman, c'est Mazepe qui dérange Mounati. Il a tenté de la toucher quand elle essayait de lui vendre quelque chose. Est-ce que tu étais là? Ce vieil homme. Non, est-ce que tu étais là? Hein? Non, je te demande. Est-ce que tu étais là? Nai. Est-ce que tu étais là? Nai, s'il te plaît. Nai, s'il te plaît. Je t'en prie, pardon. Est-ce qu'on t'a posé une question? Hey! Stupide fille! Tu es sûre de ce que tu dis? Oui, maman. Hein? C'est ce qu'elle dit est la vérité. Alors, tu ne devrais pas la taper. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Cette fille est une sorcière. Cette fille a tué ses parents. Elle est une sorcière. C'est un mensonge. Nai, pourquoi tant de haine? Pourquoi est-ce que tu détestes tellement cette fille? Pourquoi détestes-tu Mounati? Même si le mal est infligé contre elle, tu vas toujours lui en vouloir. Tu vas toujours supporter les malfaiteurs au lieu de supporter les innocents. Elle est maléfique elle-même. Cette fille est maléfique, sinon elle n'aurait pas pu tuer ses parents. Hey! Et depuis la mort de ces gens, elle n'arrête pas de monter et descendre avec les hommes. Et voilà ce qu'elle veut. Nai. Qu'elle ne va jamais amener cette fille dans cette maison. Et toi? Nai, tu ne peux pas empêcher les œuvres de Dieu. Laisse mon enfant. Laisse-la, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas empêcher les œuvres de Dieu. Très bien. Pourquoi tous ces problèmes, hein? Es-tu sûre de ce que tu dis? Oui, maman, j'en suis sûre. Hein? Pourquoi est-ce qu'un vieillard pareil ferait une chose aussi horrible à une petite fille comme ça? Hein? Il devrait avoir honte de lui-même. Ou est-ce que c'est parce qu'elle est orpheline? Ce n'est pas bien du tout. Aïe! Maman? Tu es là? Kem, d'où viens-tu? Maman, est-ce qu'il y a un problème? Je viens de la maison de Mounati. De la maison de Mounati? Oui, maman. Que se passe-t-il? Maman, rien ne s'est passé où? Que veux-tu dire par là? Que s'est-il passé entre Maziekpe et toi? C'est idiot. Attends. Maman, est-ce que cet homme est venu me trahir que je l'ai bloqué en route? Non, grand frère. Il t'a trahi chez papa. Oui, à ton père. Qui sait ce que cet homme a pu dire à papa? Ok, où est papa maintenant? Il est sorti de la maison, je ne sais pas où il est. Ok, maman, je reviens tout de suite. Je reviens. Viens, reviens là. Où est-ce que tu vas? Bien sûr que je repasse sur Mounati. Ha!
La même maison de Munachi, d'où tu reviens. C'est là-bas que tu repars encore. Oh, Guinée. Emelegeme. Non, maman, essaie de comprendre. Mon papa est sorti et est en colère. J'espère qu'il n'est pas allé là-bas pour créer une scène. Ok, s'il te plaît, je reviens tout de suite. Ok? Aïe. Kem, fais attention. Thank you.
Qui est là? C'est moi, Obim. Bien. Oui. Viens là, qu'on parle. Attends, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il est déjà tard, je suis en train de dormir au moment où tu es venu, j'ai besoin de repartir. Je ne comprends pas ta question. Est-ce que ça veut dire que je ne peux plus venir te voir à la maison? Ada Obi, me voir pourquoi? Mais tu ne vois pas l'heure qu'il est, il est un peu tard. Dis-moi pourquoi tu es là, il faut que je reparte dormir. Tu as posé la question. Quand viens-tu voir mes gens? Pourquoi? Voir ta famille, pourquoi faire? Pour que tu viennes payer ma dot. Ada Obi, je t'ai dit ceci un nombre incalculable de fois. Tu es plus vieille de 5 ans que moi. Je ne peux pas, je n'ai rien à faire d'autre avec toi. Nous ne pouvons pas nous marier. Maintenant, je suis plus vieille que toi. Ada Obi, écoute, je dois aller dormir maintenant. Désolée, pourquoi mais tu dois partir. Ça, tu m'as menti que tu m'aimais. Ada Obi, écoute, tu dois partir. Écoute-moi, c'est la première, la dernière fois que je te vois dans ma concession. Maintenant, tu vas partir, s'il te plaît. Regarde, il se fait tard. Mais quand tu es venu, tu ne savais pas qu'il était tard. Ou t'étais complètement ivre. Tu ne savais pas qu'il était tard, alors tu es sorti. C'est quoi ton problème? Allez, dégage ici. Aka. Opa, mon ami. En fait, j'aimerais que tu m'achètes ce terrain. Je vais utiliser l'argent pour envoyer mon fils apprendre un métier. Et à part cela, j'aurai encore un tout petit peu pour m'occuper de lui. Tu vois? Tu vois, Yegou, ce n'est pas comme si je ne veux pas t'acheter ce terrain. Mais tu sais que mes enfants sont à l'école. Oui, je sais. Et je sais. J'ai une meilleure idée qui nous rendra plus proches que ce que nous sommes maintenant. Et je suis sûr que cette idée te plaira. J'en suis sûr. Eh bien, je suis tout de suite. Écoute, j'aimerais que ton fils épouse ma fille, Jizzy. Et ainsi, nous serons plus proches que nous le sommes. Et quand je vais traiter avec toi, je saurai que je traite avec mon ami, mon beau-frère. Ouba. Hey, tu vois, à chaque fois que je parle de toi, les gens me demandent « Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu dans cet homme? T'as-t-il charmé ?» Non, ils ne sauront pas ce que je vois en toi. Tu es intelligent. J'aime ce que tu as dit. En fait, je suis sûr que mon fils va accueillir cette nouvelle. Hey. Alors, la balle est dans ton camp. Ne t'en fais pas. C'est à toi de ne t'en fais pas. Je vais régler ça. Je vais le régler. Je dois partir maintenant. Je vais le régler. D'accord, pas de problème. Hey. Très bien. Abraham, j'espère que ce qu'on voit dans les films ne sera pas la même chose de ce côté-là. Ce qui me fait le plus mal, imagine l'ingénieur qui nous dit de revenir demain prendre notre argent. Il est malade. Après avoir travaillé pour lui, il ne vous paye pas. Ça me dépasse, mon frère. Après tout ce qu'on a travaillé là-bas, maintenant, il ne veut pas nous payer. Je ne peux pas laisser ça passer, mon frère. À vrai dire, je ne comprends plus le comportement des gens de ce village. C'est ça. Que demain arrive? Ne t'en fais pas, il va te payer. Ah, papa? Bonsoir, bienvenue, Mazi. Papa. Qu'est-ce que vous mangez? Des arachides. Abraham. Oui, papa. S'il te plaît, donne-nous un peu de temps. Il y a quelque chose que je voudrais causer avec une thème. D'accord, papa. Bien. Ah, tu pars avec les arachides. Vous allez causer? Et laisse-le, hein? Laisse-le. Tu pourras en acheter d'autres. Papa, j'espère que tout va bien. Tout va bien, mon fils. Tout va bien. D'accord.
Oui, la chose est que je viens de rentrer de chez Mazuba, oui. Je suis allé lui parler du terrain que je veux lui vendre. Ok, ce terrain. Mais tu vois, il a porté une très bonne idée. Qui ne nous fera plus lui vendre ce terrain. Et on ne dépensera aucun argent. Waouh, ça c'est bien. Alors, c'est quoi cette idée, papa? Bien. Kem. Papa. Est-ce que tu m'aimes en tant que ton père? Bien sûr, papa. Tu sais que je t'aime. Oui, papa. Ok. Est-ce que tu te souviens quand ta mère était en vie? En ce temps, les choses marchaient bien. On était tous ensemble. Est-ce que tu te souviens? Oui, papa, je me souviens, mais je me bats tellement pour ne pas me souvenir de cette expérience. Non. Oublie l'expérience. Oublie l'expérience. Est-ce que tu ferais tout pour rendre ton père heureux? Ah, papa. Si je ne te rends pas heureux, c'est quoi mon but? Je ferai tout pour te rendre heureux, papa. Kem, mon fils. Papa. Je voudrais que tu épouses la fille de Mazuba. Parce que Mazuba ne va plus acheter ce terrain et nous n'aurons plus à dépenser aucun sou. Papa, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Que j'épouse Jizzy, la fille de Mazuba? Parce qu'il veut nous aider? Mais non, papa, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas épouser Jizzy, cette bonne arienne fille, parce que son père veut nous aider. Qu'est-ce qui va donc arriver à Munachi? Papa, toi-même, tu sais à quel point je suis allé loin avec Munachi. Donc, je vais la laisser tomber à cause de Jizzy? Et la richesse de son père? Non, je ne vais pas faire ça, papa. Ken, tu as perdu la tête. Tu as sûrement perdu la tête pour avoir dit ça. Maintenant, écoute-moi très bien, écoute bien. Je veux que tu épouses la fille de Mazuba. Et si tu dis non, sois prêt pour n'importe quelle décision que... Papa, je ne veux pas faire une chose pareille. Je ne veux pas faire une chose pareille. Tu peux aller de l'avant et faire tout ce que tu voudras. Mais je ne vais pas faire ce que tu me demandes de faire. Comment est-ce que je peux m'arrêter? Et laisser mon avis. Après tout ce qu'on a traversé ensemble? Parce que le poids de Tizi veut nous aider. Non, je ne le ferai pas, papa. Je ne le ferai pas. Oh, c'est ce que tu dis? Papa, je suis désolé. C'est ce que tu dis, Kem? Je suis désolé, mais ça ne va pas marcher. Maintenant, on verra lequel de nos deux est né avant l'autre. On verra. Ah, papa, ce n'est pas grave, c'est quoi? Je ne suis pas d'accord. On verra. Hein? Abraham! Mais c'est quoi ce genre de problème? Abraham! Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à se marier à cette époque? Non, ça ne marchera pas. Tu vois ma fille, je suis sûr qu'il a parlé de ça à son fils. Il n'y a aucun moyen que cette petite fille, cette vaurienne de fille appelée Munachi, hein, veuille se marier avant toi. Et à toi, quelqu'un qui n'a aucun parent, pas de père, pas de mère. Je ne sais même pas comment la décrire. Elle ne va pas se marier avant toi. Tes parents sont encore en vie, bien portants. Ce n'est pas du tout possible. C'est pour ça que je t'aime, papa. Merci, ma fille. Tu veux toujours le meilleur pour tes enfants. De rien. Maman. Hé, arrête ça. Tu n'es pas contente pour moi. Naï. Laisse-moi te dire une chose. Tu peux amener un cheval à la source, mais souviens-toi, tu ne peux pas forcer le cheval à boire à cette source. C'est tout ce que j'ai à te dire. Et toi? Tu me sentiras passer, crois-moi. Allez, viens t'asseoir là. Écoute, ne te fais pas souci. J'ai appris que c'est comme ça qu'ils se comportent dans leur famille. Ils sont très entêtés dans leur famille. Mazi, bonsoir. Viens là, toi, Akachi. Akachi, dis-moi ce qui est bon dans ce soir. Nkabu. Donc, Akachi, toi,
après avoir mangé la bonne chose que Dieu a donnée à ma fille. Après l'avoir mangé devant et derrière, Akadie, tu l'abandonnes. Dis-moi pourquoi. Mazi, de quoi tu parles? Mazi, de quoi tu parles? Tu sais pas de quoi je parle. Akadie, écoute-moi bien. Quand le moment viendra, tu comprendras. Après que j'aurai terminé avec toi, Akadie, tu béniras le nom de Mazigbe. Lis sur mes lèvres. Moi, ma propre fille, tu joues avec elle. Tu t'amuses. Tu l'as épuisée. Et puis à la fin, tu l'abandonnes. Maintenant, tu oses me dire que tu ne sais pas de quoi je parle. Ne t'en fais pas. Le temps nous dira. Mazi, je ne comprends toujours pas, désolé. Tu ne comprends toujours pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que je te tire mon chapeau. Attends, tu vas voir. Akadie, tu verras bien. Tu vas me connaître. Mais pourquoi est-ce que je devrais me sentir coupable? J'ai convoqué cette réunion. Et je veux dire à tout le monde le fond de ma pensée. Et ce que je pense est que tout ce que je décide dans cette maison arrivera. Parce que cette maison est la mienne. Et si ça ne se passe pas de cette façon, il y aura des problèmes pour tout le monde dans cette maison. Kem. Papa. Tu dois épouser la fille de Mazi ou pas? C'est ma décision. Papa, t'es juste trop drôle. Kem, est-ce que tu te moques de moi? Non, est-ce que tu te moques de moi? Non, papa, je ne me moque pas de toi. Mais laisse-moi éclaircir ce point. Devant tout le monde, papa, il n'y a rien que toi ou n'importe qui fera pour me pousser à épouser la fille de Mazioba. Il n'y a qu'une seule femme que j'aime dans ce village. Et cette personne, c'est Monachi. Et c'est elle la femme que je vais épouser. Alors si tu amènes une autre femme dans cette maison, peut-être que papa, tu amènes cette personne pour toi et pas pour moi. Hein? Donc, c'est arrivé à ce point. C'est arrivé au point où je vais parler et tu vas aller à l'encontre de mes ordres, dans ma propre maison. Toi, Ezinwene, parle à ce garçon. Naï. Parle à ce garçon. Naï, je suis en train de lui parler. Vas-y doucement. Papa, maman n'a rien à dire à ce sujet. Oh, regarde mes mots. Oui, elle n'a rien à dire. Ça, c'est ma propre décision et c'est final. Oh, ta décision est finale? Oui, papa. Vraiment? Je veux te dire quelque chose de très important, Kem. Si ta décision est finale, alors tu ne me donneras pas le choix que de te régner comme mon propre fils. Maman, tu as entendu ça? Naï. Hey! Naï, c'est ta père. Vous emmenez cette affaire trop loin, oh. Vous allez trop loin. Papa, tu vas me régner à cause de... Oui, je l'ai dit. Ha. Oh, cette affaire va trop loin, oh. Naï. Franchement parlant, je n'ai pas aimé la façon dont tu as géré cette affaire il y a un instant. Tu es allé trop loin. La façon dont tu as parlé en Kem est injuste. Ah, s'il te plaît, femme, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Laisse-moi m'occuper de ce garçon à ma façon. Comme mon fils a assez grandi pour me répondre et aller à l'encontre de mes ordres dans ma maison, alors je dois lui faire savoir que je suis son père. Il va faire ce que je dis. Mais pas de cette façon, non? Pas comme ça. Naï, pourquoi tu ne laisses pas ce pauvre garçon faire son choix? Laisse-le choisir la femme de son choix. Hein? Et pas toutes ces menaces que tu lui lances. Que tu vas le renier, que tu vas faire tel. Ce n'est pas bien haut. Oh, est-ce que ton père t'a choisi une femme? Est-ce qu'il t'a choisi une femme quand il était en vie? Ne va pas là. Parce que les maths qu'on faisait à l'époque ne sont plus ceux qu'on fait maintenant. C'était l'algèbre à l'époque. Maintenant, ce sont les maths modernes. Oui. C'est ça? Oui. Donc maintenant que c'est le tour d'un Kem de se marier, tu es devenu Chukwobi. Hein? Tu es maintenant Chukwobi, le grand mathématicien. Dans la future vie d'autrui.
C'était l'algèbre à l'époque. Maintenant, ce sont les maths modernes. Très simple. C'est très, très simple. Il doit faire ce que je dis. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Pas du tout. Laisse-moi tranquille, hein. Ce n'est pas du tout. Cette affaire n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Écoute ce garçon, s'il te plaît, Naï. Evrat, bonjour. S'il te plaît, je vais te demander quelque chose. Me demander quelque chose? Oui. Ok, allons-y, je t'écoute. Est-ce que Arka voit une autre fille? Kwekwena Adjam, c'est quel genre de question ça? Tu me demandes à moi? Pourquoi tu ris? Ce n'est Kwekwena Adjam, pourquoi tu ris? C'est juste une question. Écoute, Adobe, Nayama Gwelgeta, écoute-moi très bien, je vais te prévenir. Que ce soit la première et la dernière fois que tu me vois en route et tu me retiens pour me poser des questions inutiles. Inalia Kata, je vis avec Akashi. Ou alors tu ne connais plus sa maison? Ne recommence plus ce genre de bêtises parce que si tu me le refais une autre fois, tu ne vas pas aimer ma réaction. Tu peux en être sûr. Ça, je te le dis. N'importe quoi. Désolé, oh. C'était juste une question. C'est un conseil paternel. Hein? Puisque tu as grandi. Tu sais que tu es aussi belle qu'une rosée du matin. Alors, je ne voudrais pas une situation comme de ces voyous, ces moins que rien, qui ne cherchent qu'à tirer un peu de partout. Je ne voudrais pas qu'ils te détruisent ou encore détruire ton avenir. Non. D'accord? Ne te comporte pas comme ta sœur. Non, je serai différente. Je ne vais pas faire comme voilà. Elle. Voilà. Et puis, peu importe où que tu ailles, dès qu'il est 17h, assure-toi de rentrer. Est-ce que tu comprends? Oui, papa. Te comporte pas comme ces gamines qu'on embarque un peu de partout. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, papa. Alors, c'est ça. Laisse-moi te dire. Il y a des garçons dangereux dans cette communauté. Il y a un Kem, le fils de Mazigou, et son frère, là, Abraham. T'es prévenu, hein? J'ai compris. Il faut les éviter. Oui, papa. Voilà. Le pire d'entre eux, c'est Akachi. Qui est... Ada, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu froisses ton visage comme ça? Est-ce que quelqu'un t'a cherché des ennuis? Parle-moi en tant qu'un ancien combattant. Ceci n'est pas une plaisanterie. Je vais m'occuper de cette personne au double. C'est ce garçon. C'est quoi ça? Le fils de Mazoebu. Lequel de ses fils? Abraham. Ah, Jacob. C'est comme si ce garçon me déteste avec passion. Il te déteste avec passion, c'est ça? Ferme-la. Combien de fois t'ai-je averti de ne plus aller chez eux? Et tu portes tes pieds comme un lézard. Va m'apporter ma nourriture. Abraham, Jacob, demain il va te chercher. Va me chercher à manger. Regarde, là. Regarde, tu vois, t'as vu ce que... Tu vois? Elle dépense l'énergie tous les jours. Tu as commencé à manger le fruit défendu. T'as vu ta sœur? Papa, ça va, hein? Ça va. T'as vu? Je t'ai dit de ne pas te comporter comme elle. Je ne vais pas faire comme elle. Sinon, tu vas lui ressembler. Va me chercher de l'eau à boire. Regardez-les. Elle se développe tous les jours, mon Dieu. La première, je l'ai perdue. Mais celle-ci... Quiconque va m'essayer, ou me tenter, ou même me tester. De toute façon.
comment tu vas? Je vais bien. À te voir à mon lieu de travail? Hein? Rien, tu me manquais juste. Alors, j'ai décidé de venir te voir. Tu m'en manques encore plus. C'est ici que je me bats pour le moment. Je sais qu'il nous faudra de l'argent pour vivre ensemble. Tu comprends? C'est ici que je gagne le peu d'argent que j'utilise pour mon entretien. Et aussi, mes cadets à la maison. Et aussi, prendre soin de toi. Donc, c'est un peu ça. Je sais que les meilleurs jours viendront. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas du tout ça, vraiment. Mais qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de rester sans rien faire, c'est mieux de poser mes mains sur quelque chose. Tu vois? Parce qu'on dit qu'un esprit paresseux est l'atelier du diable. Je ne peux pas rester à la maison à ne rien faire et commencer à penser au mal. C'est mieux que je m'engage dans ça. Jusqu'à ce que Dieu me donne un meilleur truc à faire. Et j'ai arrêté de faire ça. Hein? Donc, pour le moment, débrouillons-nous juste. Comme ça, ça nous met la nourriture sur la table pour le moment. Ok? Mm-hmm. Comment va ta sœur? Elle va bien. Ah, ok. Mm. Qu'est-ce qui ne va pas chez celle-ci? Hey! Qu'est-ce que cette fille faisait là, nous regarder depuis là? Mais c'est quoi son problème? Pardon, oublie celle-là. Elle n'est qu'une distraction. Alors, ma chère, je dois repartir travailler pour que je n'ai pas de problème avec mon patron. Comme tu peux le voir, elle est là. Sans problème. Après le travail, je viendrai te voir, ok? Alors, prends bien soin de toi, d'accord? Ok, d'accord. D'accord. Bye. 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 À plus tard. Pour faire une très bonne soupe comme celle que tu as cuisinée l'autre jour. Je me suis vraiment régalé. Naï, ne t'en fais pas pour ça. Ah oui, bien sûr. Ce qui me plaît, c'est de te faire plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qui se passe, ma fille. Papa, ce n'est pas... C'est cette fille inutile. Monachi. Monachi. Monachi, qu'est-ce qu'elle a fait? Je l'ai vue avec mon chéri Nken. Papa, imagine ce qu'ils étaient en train de faire. Kam était là à l'embrasser en public. Es-tu sûr? Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, je sais quoi faire. Hein? Je vais gérer cette histoire. T'inquiète pas, ça papa, va. Papa, tu es sûr? Monachi. Après lui avoir donné une leçon. Hein? Peu importe où elle entendra ou bas. Elle va... Ne t'en fais pas, c'est bon, ma fille. T'en fais pas, c'est bon, ça va. Hein? Tu sais quoi? Va te reposer. Je m'occupe de la situation. Monachi. C'est bon. Il n'y a pas de problème. Je vais m'occuper de ça. C'est Tachi. Grand frère. T'es en train de faire la lessive? De toute façon, vous venez par derrière. J'espère que tout va bien. Nous sommes allés regarder si les avocats ont mûri. Ma grande sœur. En te voyant faire la lessive alors que je ne te l'ai pas demandé. On dirait que t'es en train de changer. Mais oui, le changement est constant dans la... Alors, ma chère.
Je crois que je vais devoir partir. Ok, pas de soucis, Nkem. Avant que tu ne partes, qu'est-ce que tu dis par rapport à la situation actuelle? Parce que cette affaire me fait passer des nuits blanches. Mobim, tu n'as pas du tout besoin de t'inquiéter, ok? Oui, il n'y a aucune femme sur Terre qui me fera te quitter pour une autre femme, d'accord? Ok? Je t'aime, et je t'aime de tout mon cœur, d'accord? Quand je te dis que je t'aime, je suis sincère, bébé. Je serai toujours avec toi. Ok? Ok. Sheta? Oui, grand frère. Tu dois partir, d'accord? D'accord. Prenez soin de vous, d'accord? D'accord. Je te verrai plus tard, d'accord? Ok. Bye-bye. Bye. Grande sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas l'accompagner? Je ne peux pas l'accompagner. On vient juste de rentrer. Mais qu'est-ce que vous attendez? Va, je reviens, j'arrive. Et si vous venez? Nai, je suis là, j'arrive. Alors, on y va. Allons-y. Maintenant, c'est maman qu'on attend. J'espère que tu as tout enlevé. Hein? Et toi, où est ton foulard? Maintenant qu'on va aller au champ, tu vas dire « Papa, le sable en train de toucher mes cheveux !» Je ne veux pas couvrir ma tête. Papa, bonjour. Maman, bonjour. Hein? Papa, bonjour. Maman, bonjour. D'où viens-tu? Je suis allé voir mon ami. Tu es allé voir ton ami, Nkem? Donc, tu as décidé que cette famille ne va pas se reposer avec toi. Tu as décidé de suivre cette sorcière de fille qui a tué ses parents. Tu as décidé ça, n'est-ce Nani. Pas? Il est très tôt pour ce genre de dispute. Hein? Et c'est encore le matin, non? Hein? D'accord. Et en plus, nous sommes en train d'aller au champ. Ngwanka Egan. Ojemba. Maintenant que tu es rentré, Nkem, aide-moi à porter cette hache. Comme ça, tu pourras fendre ce gros bois qui est au champ. D'accord, maman. Cet homme me menace. Il m'a dit de laisser son fils tranquille. Il veut que Nkem épouse Chizi, la fille de Mazumba, à cause de l'argent. Waouh, ça c'est pas bon ça. Et qu'est-ce que Nkem a dit? Il a dit qu'il ne va pas le faire, jamais de la vie. Et la pire partie c'est que cet homme, son père, il a dit qu'il va le régner s'il ne me quitte pas. Mais il a toujours tenu tête. Mais j'ai peur, je suis confuse. J'ai très peur. Parce que je n'ai personne pour prendre ma défense. Je n'ai personne sur qui compter. Cette histoire est vraiment sérieuse. Très sérieuse. Hey! Moi-même, j'ai peur. Je ne sais pas quoi faire. En tout cas, je dois y aller. Merci beaucoup. Je vais venir vous voir un peu plus tard. Madame, peux-tu t'arrêter là? Allez, rentre là-bas. Achaza, c'est ça. Où crois-tu aller? Excusez-moi. Mon ami, mets-toi là. Qu'est-ce qu'il y a, non? Regardez-la. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Quand est-ce que ceci a commencé? Je vais passer. Ne bouge pas de là. Allez, va là-bas. Natoujo, hein? Pourquoi est-ce que vous me barrez le chemin? Je vais passer. Es-tu encore le courage de nous parler? Regardez-la. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez-la. Regardez. Elle est là à se fronter. Tu te pavanes dans ce village. Hein? Comme la reine d'Angleterre. Hein? Mounatissi. Mounatissa. Dis-moi, pour qui est-ce que tu te prends? Elle passe son temps à se vanter. Oh, Chokamaka. À marcher tout le temps comme une princesse. Inasomoi.
Comme tu ne veux pas quitter Nkem, tu seras obligé de le quitter par force. Ok, c'est clair maintenant. Dans toutes ces bêtises que vous êtes en train de faire, c'est à cause d'Nkem. Ok, donc on raconte des bêtises. Attendez, laissez-moi vous dire. Écoutez-moi très attentivement. Dizzy, Mirabelle, rien. Je dis rien. Ne me fera quitter Nkem pour n'importe quelle femme dans ce village. Alors, le plus tôt vous le mettez dans vos têtes, et le mieux, ce sera pour vous. Laissez-moi passer maintenant. Pas là-bas. Malgré tout ce qu'on t'a dit, je ne vais pas laisser. Oui. Hey! Allez-y, Votre Majesté. Où crois-tu aller? Mais non, je croyais que tu étais la reine Elisabeth. Mais c'est quoi? Je croyais que tu étais la reine Elisabeth. Je croyais que tu étais la reine Elisabeth. Tu ne veux pas laisser Nkem. Tu ne veux pas laisser Nkem dans ce village. Laisse-le tranquille, tu ne veux pas entendre. Laisse-le tranquille, tu ne veux pas entendre. Honte à toi. Tu n'as encore rien vu. Ne me tue pas. Tu vas le laisser partir. Ne me tue pas. Et ne me tue pas. Tu ne comprends pas. Laisse-le tranquille. Ne me tue pas. Tu fais ce qu'il faut. Regardez-la. On te demande de le laisser tranquille. Tu ne veux pas entendre. C'est à moi qu'il a fait. Regarde-moi cette sale chose. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ne me tue pas. Laisse-le tranquille. Regardez-moi ça. Pauvre fille. Viens, on s'en va. La prochaine fois, tu vas voir. Idiote. Voilà, c'est bien Mona. À ce moment même. Mais, attends, dis-moi, pourquoi est-ce que tu pleures? Moumou, ma chère, pourquoi tu pleures? Dis-moi. Laisse-moi tranquille, je n'ai pas ton temps. Laisse-moi tranquille. Tu n'as pas mon temps? C'est ce que tu dis? Ah, ça. C'est comme ça que tu me traites, c'est comme ça qu'on me traite dans ce village. Ah. Ok, ne vous en faites pas pour moi. Ah. Est-ce que tu sais que je suis allée là-bas hier? Il y avait vraiment beaucoup de gens là-bas, ma chère. Hein? Ewo, bonjour à toi. Ego Walaria. Mirabelle. Bye-bye. Tu es sérieuse, ma chère? Tu dis là, tu es si sûre. Tu as vu ce que j'ai vu, il y avait vraiment des choses. Kem. Mirabelle, maintenant commence à parler ou je vais te tuer ici maintenant. Qu'est-ce que Munachi vous a fait à toi et à cette méchère appelée Tizi qui vous a poussé à la taper? Donc, c'est à cause de cette stupide orpheline, hein? Cette fille inutile qui t'a fait venir dans ma boutique aussitôt pour tuer. Tu es malade? Je suis en train de te parler, tu jacasses? Kem, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu es folle? Kem, tu viens de me gifler. Écoute, laisse-moi te dire, la prochaine fois que tu vas encore essayer, hein? La prochaine fois que... vous allez l'essayer, je vais vous broyer à mort. Je vais vous broyer à mort. Kem, tu m'as giflé. Si je te gifle, la prochaine fois que tu vas l'essayer, je vais te tuer. Si tu le sais encore, je vais te tuer. Kem, tu m'as giflé à cause de mon agi. J'ai pas venu. Ceci n'est rien. Ceci n'est rien. Comparé à ce que je vais te faire la prochaine fois. N'importe quoi. C'est même qui ça? Je vais te tuer la prochaine fois que tu l'essayes. Ok. Désolée, d'accord. Oh, Kem m'a giflé à cause de Munachi. Mirabelle, pourquoi est-ce que tu t'attires des ennuis? Hein? Pourquoi est-ce que tu t'es joué à Cheese pour battre Munachi? Mais pourquoi? Une fille qui ne cherche pas les ennuis aux gens. S'il te plaît, arrête-toi là. Que veux-tu dire par une fille qui ne cherche pas les ennuis aux gens? Tu es folle. Hein? Si tu n'as rien à dire, pourquoi est-ce que tu ne t'assois pas là et tu la fermes?
Pourquoi vous êtes à bon de la battre? Elle ne vous a absolument rien fait. J'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Commence à partir. Pars, prends tes choses et sors de ma boutique. Sors de ma boutique, Jessica, ne m'énerve pas. Attends, de ma boutique. Mirabel, tu me demandes. Je vais te pousser. Oui, vas-y, sors de ma boutique. Et que je sors. Vas-y. C'est bon. Je vais partir. Vas-y. Vas-y. Ne t'approche plus de ma boutique. Ne t'en fais pas. Ce n'est rien. Je vais partir. Ça va aller. N'importe quoi. Je ne reviendrai pas. C'est Vas-y. Je ne voudrais plus te voir ici. Va la battre et tu verras ce que Kem va te faire. Oh, Kem. Hey. Jizzy! Peu importe ton stupide nom! Hey, mon Kem! Je peux te gifler, hein? Tu es folle? Stupide! Qui est ton Kem? Pourquoi est-ce que tu cries? Hein? Tu as perdu la tête? Mon fils! Jizzy! Je suis venu t'avertir! Hein? La prochaine fois que tu vas refaire ce que tu as fait, hein? Je vais te casser en deux! Calme-toi! Calme-toi, s'il T'as te compris? Plaît. S'il te plaît, mon fils. N'importe Donc quoi. Tu cries comme ça à cause de cette chose. Écoute, ne joue pas avec moi en ce qui concerne Mounati. Maman, j'ai compris. Laisse-moi d'abord lui dire ma colère. Attends. Bigo. La prochaine fois que tu vas refaire ce que tu as fait à Mounati, je vais te couper en deux. Cette idiote. Depuis quand? C'est bon. Désolé. Bigo. Mais. Parle à cette chose. Oui, calme-toi. Parle à cette. Parce que si elle essaie encore ce qu'elle a fait aujourd'hui, je lui parlerai. Elle a donné une leçon dans ce village. Calme-toi, mon fils. Je ne sais pas pourquoi nous causons confusion dans ce village. Calme-toi. Si tu le sais encore. Bico, calme-toi. Je vais te casser en deux. Ok, mais attends, je. Je vais. Jizzy. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Jizzy. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton combien de fois? Je t'ai demandé de rester loin de cette fille, mais tu ne veux pas m'écouter. Reste loin de cette pauvre fille et de ce jeune garçon. Tu ne veux pas m'écouter. Tu t'entêtes toujours à vouloir les nuire. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Regarde mon essai. Maman, c'est quoi ton problème? Regarde-le. Pourquoi tu m'insultes tout le temps? Je ne te soutiens pas dans les bêtises. Ce que j'ai fait dans cette maison, tu ne l'aimes pas. Pourquoi? Tu sais pourquoi. Pourquoi ne peux-tu pas être comme Je ne supporte pas le mal. Je ne pourrai jamais supporter le mal. Maman, je commence à te soupçonner. Je commence regarde à te soupçonner dans cette histoire. Maman. Regarde mes essais. Maman. Hey, dégage là-bas, sale idiote. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que j'étais même en train de faire? Mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi tout ça? Pourquoi est-ce que ma mère est toujours comme ça? Tout ce que je fais, ma mère le méprise. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Regardez mon père, il me soutient toujours. Il veut le bien pour ses enfants. Mais maman, non. Tout ce que je fais, elle se plaint. Ma vie, Dieu merci, je t'ai rencontré ici. Je venais juste de sortir de ta maison maintenant. Mazi, s'il te plaît, je suis venu te dire d'avertir ta fille de rester loin de moi. Avertis-la de rester loin de moi parce que ce que je vais lui faire, hein, je ne sais pas si dans sa tête il y a de l'eau. Ce que je vais lui faire, Mazi, tu vois ces plans que tu as avec mon père, tu dois encore aller réfléchir parce que ça ne va pas marcher. Je ne vais pas épouser ta fille. La fille, cette fille qui n'a pas d'éducation, je ne sais pas d'où elle vient. C'est la fille qu'on me pose de marier. Je ne vais pas faire une chose pareille, Mazi. Dis-lui que si elle refait encore ce qu'elle a fait en tapant Mounati, je vais la broyer à mort. Voilà ce que je suis venu te dire. Je les ai prévenus. Et je te dis maintenant d'aller les avertir aussi. Comme ça, quand ça arrivera, personne ne dira que je n'ai pas averti. Je n'ai pas vu où on impose une femme à un homme. Hein? Je ne vais pas l'épouser. Alors comprends bien ça, Mazi. S'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, monsieur. Merci. Passe une bonne journée.
Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Papa, tout ça, c'est un game. C'est encore un game. Naï, bonne arrivée. Il n'y a rien que je puisse faire. Qu'est-il arrivé à ta fille? Pourquoi était-elle triste? Je ne sais pas. Demande-lui. Tu ne sais pas. Que je lui demande. N'es-tu pas sa mère? Je le suis. Donc tu ne peux même pas demander à ta fille ce qui ne va pas changer. Demande-lui. C'est mieux qu'elle te réponde. Ma puce, ne prête pas attention à ce que dit ta mère. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, je suis fatiguée. Il méprise tout ce que je fais pour lui. Il ne veut même pas me voir. Il ne veut même pas me parler. Papa, je suis fatiguée. C'est bon, ça suffit. Écoute, ne t'en fais pas. Ce que je sais, c'est que Nkem est ton mari. Il va t'épouser. Il n'y a rien que quelqu'un puisse faire pour empêcher cela. Et même si ta mère n'est pas d'accord avec ça, mais il n'y a absolument rien qu'elle puisse faire. Il va t'épouser. Hein? Alors arrête de pleurer. Ne te fais pas de soucis. Je sais quoi faire. Hein? Il n'y a pas de problème. Papa, tu es sûr? Tu sais quoi? Va dans la maison et apporte-moi de l'eau à boire. Je ne sais pas si... Oui, Ego. Oui, ton fils l'a fait. Si tu voyais la façon dont il m'a insulté, ma fille et moi, il nous a traités tous les noms d'oiseaux. Ok, maintenant écoute, tu ferais mieux de faire tout ton possible avant qu'il ne gâche notre relation, qu'il gâche nos rapports de beau-frère. Oui. Ok. Ok, merci. Tu as intérêt. Ok, au revoir. Oh, maintenant c'est du passé complètement. Qu'est-ce qui est maintenant au passé? Adaobi, c'est maintenant de l'histoire ancienne. Akachi, Adaobi est maintenant au passé, c'est ce que tu dis? Akachi, je te préviens, hein. N'y a fait boutare. Guaya. Tu sais, plus tard, ne dis pas que je t'avais pas prévenu. Guaya. Très bien, va de l'avant. Chey, et vous n'y avez pas de fin, non? Et n'a à toi. T'es en train de te tuer si tu ne sais pas. Voilà. T'es juste... Papa, bonjour. Bonsoir, papa. Abraham. Papa. Où est ton inutile de frère, Kem? Où est-il? Il n'est pas inutile. Papa, s'il te plaît, mon frère n'est pas inutile. Il ne l'est pas et il ne le sera jamais. De toute façon, je ne sais pas où il est. Ok, laisse-moi croire qu'il n'est pas inutile pour toi. Mais pour moi, il est même plus qu'inutile. Parce qu'il veut ramener le nom de ma famille dans la boue. Et je serai la dernière personne à le laisser faire ça. Je vais rester ici à l'attendre. Akarasha doit revenir. Ton frère n'est pas inutile. Ouais, il n'est pas inutile. Il ne l'est pas. Ah, Abraham. Non, bois de maca. Je n'aime pas du tout ce que mon père fait. Il traite très mal mon frère et je n'aime pas ça. S'il te plaît, viens, partons d'ici, allons-y. Gaobi. Allez, viens. Tu ne veux pas y aller? Je te laisse planter là. Alors, qu'est-ce que tu as dit que tu voulais? Naï, je crois que c'est mieux que tu me donnes une grosse somme pour que j'aille au grand marché, pour acheter des provisions en très grande quantité. Ça m'aidera long, au lieu d'acheter en petite quantité. Attends, un instant, attends. Papa, bonjour. Nkem. Maman, bonjour. Sois le bienvenu, mon fils. Merci. Bonjour, Keke. Donc, tu crois que tu peux déshonorer cette famille, n'est-ce pas? Non, tu crois que tu peux nous déshonorer? Tu as décidé de suivre cette sorcière, cette fille inutile, mon Ati, n'est-ce pas? Papa, s'il te plaît. Mon Ati n'est pas une sorcière. Ah. Encore moins inutile. Mais papa, s'il te plaît, dis à ton ami de me laisser tranquille. Dis-lui de nous laisser Mounachi et moi tranquille. S'il te plaît, papa. Nkem, tu es vraiment stupide. Tu dois être très stupide pour avoir dit ça. Papa, tu m'as giflé? Oui, je l'ai fait. Et je vais te gifler encore, et encore, et encore. Papa, toi, me gifler encore plus. Nkem. Hi. Nani. Qu'est-ce que Nani. Qu'est-ce qui ne va pas chez ce garçon? Naï, tu es allé trop loin. Trop loin comment? Tu n'aurais pas dû le gifler.
Pourquoi est-ce que tu supportes toujours ce garçon? Même s'il n'est pas mon fils biologique, il reste toujours mon fils. Hein? Et je sais qu'il sait ce qu'il fait. S'il te plaît, laisse-le faire son choix. Donc, tu complotes avec lui, hein? Pour m'envoyer dans la tombe. Ça ne marchera pas du tout. C'est un mensonge. Ça ne va pas marcher. Je ne complote rien avec lui. Ça ne va pas marcher. Je ne planifie rien avec lui. Reviens, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas avec cette hache? Reviens, où est-ce que tu vas avec ça? Hé, hey, pars! Je vais m'asseoir ici et t'attendre. Tu vas revenir. Tu vas revenir. Hein? Qui est ici? Où est cette sorcière? Où est cette sorcière? Où est-elle? Naï. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu as dit? Naï, vous devez avoir perdu la tête pour dire ça. Qui vous a dit que je suis Naï? Et toi? Toi, sorcière. Donc tu ne veux pas laisser mon fils tranquille, n'est-ce pas? Tu as décidé de créer des problèmes entre moi, mon fils et ma famille. Hein? Laisse-moi t'avertir. Je ne veux plus te voir proche de mon fils à nouveau. Parce que si c'est le cas, tu seras en train de me forcer à t'exclure de cette terre. Y compris toi, mettre fin à cette misérable famille, je vais la détruire. Naï, ce n'est pas arrivé. Tu l'as fermé. Une sorcière qui a tué ses parents. Comme ça, tu seras libre de monter et descendre partout avec les hommes. Pas mon fils. Pas mon fils, je te le dis. Si tu essayes, tu auras pitié de vous. Regarde, tes larmes de crocodile ne vont rien faire. Ça ne résoudra aucun problème. La seule solution à ton problème, c'est de laisser mon fils tranquille. Regarde-les. Des sorcières, suceuses de sang. Regarde comment tu es grosse. Tout le sang que tu le suces toute seule et tu ne donnes pas à celle-ci. Regarde comment elle est toute maigre. Stupide suceuse de sang. Que je te vois encore, proche de mon fils. Je vais te donner une leçon que tu ne vas jamais oublier. En fait, tu ne seras même plus en vie pour raconter l'histoire. N'importe quoi. Suceuse, suceuse de sang. Que je te vois encore avec mon fils. Thank you.
Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi tu pleures sur la tombe de tes parents? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le problème? Ton père est venu ici. Ton père est venu ici ce matin. Oui. Il est venu pour m'avertir. Il m'a dit de rester loin de toi. Mais pourquoi? Il a dit que j'ai tué mes parents. Ah. Il l'a dit devant ma petite sœur. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que je voudrais tuer mes propres parents? Pourquoi? Mais c'est quoi le problème de cet homme? Oubim, ça suffit. C'est bon. Tu as beaucoup pleuré. Hein? Tes larmes vont déranger tes parents où qu'ils se trouvent maintenant. Ça suffit, ok? S'il te plaît. Écoute, tu crois fermement bientôt que tout ça sera terminé, d'accord? Ça sera terminé, ok? Ça va aller. Qu'en est-il de Détachi? Elle est allée voir mon ami, Dabi. Oh, ok. Ça suffit. Maintenant, allons à l'intérieur, ok? Allons à l'intérieur, s'il te plaît. Lève-toi. Arrête de pleurer. Désolé. Ça va aller. Ça suffit, ok? Ça suffit. Je suis ici maintenant. C'est bon. Nachi, ça va aller. Je suis ici maintenant, ok? Désolé. Mais qu'est-ce qui peut très bien la retarder? J'espère qu'elle va passer ici aujourd'hui. Je sais qu'elle va passer, t'en fais pas. Ne t'ai-je pas dit? Tu vois bien que cette fille est ravissante. Je te l'ai dit. Je le vois. Tente ta chance. Allez, mon frère. Kizi. Qu'est-ce qu'il y a? Akachi ou peu importe comment. Donne-moi juste une chance de te donner de l'amour. Je ferai tout ce que tu désires. Hey, l'amour. Bien, Naboni, Akachi. Regarde-moi très bien. Hein? Je ressemble à ton genre? Non, je te le demande encore. Regarde, Tizi. J'ai l'air de ressembler à quelqu'un de ton niveau. Hein? Maintenant, écoute-moi. Laisse-moi t'avertir. Que ce soit la première et la dernière fois que tu m'interpelles encore en route. Retiens bien ce que je t'ai dit, parce que la prochaine fois que tu vas le refaire, tu vas te montrer de quoi je suis faite. Tizi, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, donne-moi une chance de t'aimer. Je te promets de faire tout ce que tu désires. Je ferai tout ce que tu désires. S'il te plaît, tu y repenseras. Tizi. Tizi. Là-bas. Cache mon meilleur ami. Ah, tu sais pourquoi je t'aime. You are campé. Et puis là, voilà, here. Akashi, mais allons-y. Allez, viens, on y va. Avant que tu ne paraisses plus ridicule que ça. Ah, Oniberi Benya, tu vois. Non, c'est ça que pas, Anna. Basurunyalu, Yaratuzia. Tu te mets à genoux pour une femme. Akashi, t'as pas d'honneur. Allez, passe là-bas. Je ne sais même pas pourquoi toi et moi sommes amis. Va de ton côté, je prendrai le mien. Au moins, t'as essayé, Akashi. Hey, t'es mon ami. Tu sais que t'es mon ami. Ok, viens là, voilà. Une usine, viens là pour boire. Je te jure, mon frère, j'étais très excité quand je t'ai vu. Mon frère, quand est-ce que tu as quitté ce village et gagné ce genre d'argent? Tu veux savoir? Tu dis ok. Laisse-moi d'abord aller me changer. Hein? Va te changer. Oh! J'ai dit va te changer. T'es devenu riche, mon frère. T'es tellement devenu riche que l'argent, je t'appelle papa. Va changer tes vêtements. Chérie. Je vais te surprendre aujourd'hui. Papa. Papa. Chijokeo. Bonjour, papa. Chijoke. Bonjour, papa. Hey, Nai. Non. Hey. Sois le bienvenu. Chijoke. Qui a cette voiture? Hey. Papa.
Atokolani. Tu n'as encore rien vu, ça c'est juste l'une de mes voitures. Toi? Oui, l'une de mes voitures. Hey! Tu es joqué. Maman, écoute, c'est Dieu. Nagnon, tu sais, c'est Dieu, c'est sois Dieu. Le bienvenu. C'est Dieu, merci beaucoup. Hey! C'est Dieu. Dieu t'a béni, oh. C'est Dieu, maman. Attends, ton ami a vu la voiture, n'est-ce pas? Nous sommes rentrés ensemble avec la voiture, papa. Est-ce que c'est que tu es le propriétaire? Oui. Hein? Bien sûr, tu le sais. Tu vois? Tu es joqué, comment va ta mère? Tu vois? Ah, écoute, tu sais, ma mère se porte bien. Elle ne vit plus au village. Nous sommes en ville maintenant. Dieu merci. C'est ta dîne maintenant. Oui. Tu es joqué, mon bon ami est presque prêt. Il est presque prêt. Je vais aller comme ça. Non, c'est bon. C'est bon. T'en fais pas, on ira t'acheter des vêtements. Regarde ton ami. J'ai quelque chose pour toi. T'avais-tu joqué? Maman, t'avais-tu joqué? Oui, c'est ça que je constate. Je suis surprise. Hey! Et wow. Papa. Hein? Écoute, ça, c'est rien. C'est juste un petit truc que je t'ai gardé. Et wow. Écoute, tu sais, je reviendrai. Donc, débrouille-toi d'abord avec ça. Diagazé, oh. Ça a été un voyage improvisé, tu sais, je n'ai pas fait ça. Celui-ci suffit. Regarde, ceci sera multiplié. 100 000 fois. Il sait. Tu connaîtras le bonheur. Il sait. Merci, mon fils. Merci, mon fils. Merci, papa. Hey, Chijok, j'ai entendu que ta mère vit maintenant avec toi en ville. Oui. Oui, elle est maintenant une citadine. Elle envoie ses salutations à tout le monde. S'il te plaît, salue-la. Tu la connais. Salut, Matel. Hey. Finalement, tu sais même pas qui saluer. Dis-lui merci. Elle nous manque. Oui, je le lui dirai. Hey, très bien, elle sera là. Oh, Gopaya. Elle viendra te rendre visite aussi au village. Nkem? Hein? Moi, je dis ça. Ça ne me dérange pas, non? Non, ça va, crois-moi. Quand je te dis que ça d'accord. va, prends mon frère. Ça, d'accord. Papa, on revient. Prochainement. Maman, t'en fais pas, je vais te garder quelques paquets. Oh. Nkem, allez, entre! Entre! Tijoké. On arrive, papa. Tu vois? On revient. Tu viens juste de voir. Je vois. Est-ce que je suis aveugle? L'ami d'Unkem, ce garçon ne cesse de me casser la tête. Sans toutefois rien produire. Le temps regarde, de Dieu est regarde. Le meilleur. Mon gars, Tijoké, t'en fais pas. Je vais te surprendre aujourd'hui. Mon frère, Tijoké. Quand est-ce que tu as travaillé l'argent pour avoir ce genre de voiture? Écoute, mon ami, ça sert à rien. Quand je te dis que j'en ai plusieurs, tu as des doutes, quoi? Bien sûr. Je vois. Dans ce cas, Tijoké, je vais venir chez toi. Comme ça, on pourra avoir une conversation. Très importante. Ok, pas de problème. Je suis fatigué de ce village. Écoute, mon père. Fais-moi confiance, tu quitteras ce village. Je te fais la promesse, tu quitteras cet endroit. Mon frère, ne doute pas de moi. Comme je te promets que je vais t'aider. Tijoké, s'il te plaît. Écoute, fais-moi confiance. S'il te plaît. Fais-moi confiance. S'il te plaît, Tijoké. Ce n'est pas un problème. S'il te plaît. Dieu va te bénir. Non, mais c'est bon, c'est pas nécessaire. Je suis fatigué des injures de mon père. Juste d'un clone. Laisse-moi aller garder ma boisson. Sa vie a juste changé. Hey! Je vois que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Oh. Hey! Opongo nangwa. Onyenge mon nambuke nangwa. Okege. Oh, tu vois? La vie. Non, est-ce que tu as vu? Non, tu as vu ce qui venait de se passer. Regarde Tijoké d'hier. Regarde le genre de voiture qu'il conduit. Cette vie, oh. La regarde, vie. Tu dois parler à ce garçon. Il doit épouser la fille de Mazi. De Mazi ou pas? Point final. Donc il s'agit de la richesse, hein, Naï? Mais pourquoi est-ce que tu ne laisses pas ce gars faire son choix? Laisse Nkem tranquille. Je crois que Nkem sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il fait. Pourquoi est-ce que je suis avec des gens qui ne peuvent pas bien réfléchir? Pourquoi est-ce que je suis avec les gens qui n'aiment pas les bonnes choses? Donc toi aussi? Ah, j'aime ce qui est bien. Regarde, je peux voir que tu n'aimes pas les bonnes choses avec ce misérable de garçon. De mon côté, je ne peux pas rater cette opportunité qui est venue sur mon chemin. Pas du tout. Dans ce cas, prépare-toi à épouser Chizzy. Oui, prépare-toi à épouser une troisième femme. Hein? Atora rolele le fiam, miazé jilez uizibene. Hey, ne viens pas te plaindre, parce que je vais épouser cette fille.
Je ne me plains pas parce que ça, c'est si elle va accepter de t'épouser. Ah, oublie ça, oublie ça. Quand le moment viendra. Oublie ça. Quand le moment viendra. Je vais épouser cette fille. Quand le moment viendra, tu sauras qu'elle a un choix. Ne viens pas te plaindre, hein. Je vais l'amener sur la maison. Je vais voir la personne qui sera en train de pleurer. Ah! Et cette opportunité, non, je ne peux pas la rater. Je ne peux pas la rater. C'est elle? Est-ce que c'est Shizzy? Shizzy, la fille de Mazi Ouba. Est-ce que c'est vraiment elle? Je ne sais pas. Je sais que tu es en train d'aller comme ça pour attraper l'un de ces petits gars. Shizzy, j'espère que tu ne pars pas. Tu sais, elle cherche ses gars du village. Tu sais, depuis que tu es rentré de la ville, je ne sais pas à quoi tu sers. Hein? Je ne comprends pas. Quoi? Non, attends. Au fond, ou peu importe comment tu t'appelles, c'est quoi toutes ces bêtises? Je te fais confiance. Pourquoi est-ce que tu m'as arrêté? Hein? La ferme, petite. Tu es très stupide. Regarde. Tu es fou. Je suis fou. Regarde, la prochaine fois que tu vas essayer ça, la prochaine fois que tu vas essayer cette bêtise, si tu oses encore m'arrêter en route, je... Ferme-la. Oh, donc tu m'as arrêté pour m'insulter, n'est-ce pas? La ferme. Tu as quitté Je ne peux pas t'en vouloir. Tu as fait tout ton chemin depuis la ville jusqu'ici pour, tu sais, balancer ton... Elle est loin. Ouais. Tu sais, pour suivre tous ces gars du village. Le tonnerre va te foudroyer. Je ne t'en veux pas. Le tonnerre va te foudroyer. Tu aurais dû me dire que tu n'as plus assez de boissons. Pourquoi j'ai t'en acheter encore plus? Au lieu de bavarder. Moi? Soulard. Non, attends. Tu n'es même pas intelligent. Dieu doit te juger. Dieu doit te juger. Avec ce... C'est derrière ou quoi? Avec ton... Derrière. Attends un peu. Où est-ce que je vais même? Et toi, arrête de me pousser. Tu as recommencé. Arrête de me pousser. Regarde, je te gagne toujours. Regarde bien. Tu es sûr que après, tu ne touches pas. Après, tu vas dire que je triche. Regarde mes mains. Est-ce que tu as une barre? Je suis sérieuse. Mais non, tu triches. Regarde, regarde. C'est bon, mais continue. Attends. C'est bon. Attends, tu ne mets pas du bon côté. Attends, ce que tu dois faire, c'est de... Attends d'abord. Ce que tu dois faire, c'est... C'est de mettre... Yeah. Jésus. Hey. Je me suis placé ici pendant plus de 30 minutes en train de vous regarder. Tu m'as fait peur. Désolé pour ça. Vous étiez tellement concentré que vous n'avez pas remarqué ma présence. Comment tu vas? Grand frère, bienvenue. Je vois que vous êtes contente et vous êtes en train de vous amuser. J'essaye de chasser l'ennui. Je vois. Obim, je suis tellement content. Devine quoi? Vas-y, devine quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Devine juste! Je ne peux pas deviner. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens de Tchidjé que mon ami? Mon très bon ami. Lequel? Le fils de Mazi Nwachukwu. Celui qui venait de partir en ville il y a de cela juste 6 mois. Que s'est-il passé? Tidjoké est rentré. Tidjoké est maintenant grand garçon. Il est même rentré avec une voiture. Hein? Regarde-moi juste. Encore dans ce village, en train de monter partout avec mon père. Sur ceci et cela. Hein? Mes égaux restent en ville. Imagine Tidjoké. Tidjoké, à peine 6 mois qu'il a voyagé. Il est rentré avec une voiture, un grand garçon. J'étais tellement choqué quand je l'ai vu. Eh bien, j'ai pris juste et j'espère que, à travers lui, je suis sûr que Dieu va répondre à la prière que j'ai faite. Tu sais à quoi je pense? Je pense à aller chez lui. Je pense à aller chez lui et lui plaider de m'emmener en ville. Même si c'est pour apprendre un métier ou d'acquérir une compétence. Comme ça, j'aurai un meilleur futur de revenir et faire le nécessaire en te rendant de façon permanente ma femme. Hein? Et tous ces problèmes par-ci et par-là, et les filles qui te tapent, tout ça sera terminé. Hein? Je prie juste que ça marche. Je prie juste que ça marche. Comme ça, tous ces problèmes s'arrêteront. Ça le sera. Prions. Je sais qu'avec les prières, ça arrivera. Grand frère, je le savais. Je savais que mon Dieu n'allait pas nous laisser. Il va encore le faire pour nous.
N'est-ce pas? Yes. J'aime trop ta foi. Hein? J'aime trop ta foi. Grand frère. Ma chère. On doit vraiment entrer en prière. Franchement. Parce que tu sais que toutes les personnes maléfiques de ce village, si elles t'aperçoivent maintenant avec tonton Ethiopé, elles vont parler, faire des plans maléfiques. Comme ça, quand elles seront en train de faire leurs plans, nous, on aura déjà fait nos plans par la prière. Mettons-nous donc en présence du Seigneur. Pasteur. Ok, fais la prière. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, nous présentons entre tes mains nos projets. Nous te prions, Père Céleste, que tous les plans... Jésus, ma chère O, est-ce que tu sais qu'un Kem était ici hier? Quoi? Hey! Il est venu m'affronter à cause de cette stupide orpheline, Munachi. Ojilaka, tout est qu'elle est. Ma chameyo. Écoute-moi. Il a failli m'étrangler à mort si ce n'était pas Jessica. Ce qu'il m'a fait ici hier... Qu'est-ce que tout ça veut dire? Hein? Quelle est cette chose que Nkem voit dans cette stupide fille qu'il n'arrive pas à voir chez moi? Joam, tu vois cette Munachi? Hein? Cette Munachi, une fois que j'aurai terminé avec elle dans ce village, n'importe où qu'elle me verra, elle va s'enfuir. Ma sœur, il est même venu chez moi l'autre jour pour m'avertir de rester loin de cette stupide fille. Et c'était en présence de ma mère. Bonjour. Bienvenue. Je voudrais acheter du pain. C'est de 350 dans les gros pains. Je n'ai pas celui de 350, c'est 250. Mais viens ici. Ok, viens. Je viens voir. Bonjour, celui-ci, madame. C'est léger, tu vas aimer. Hein? C'est le pain d'aujourd'hui? Est-ce que c'est le pain d'aujourd'hui? Très frais. Tu sais que je vais m'acheter le Mais pain chaud. Je sais, non. C'est très frais, okay, tu vas aimer. Ok, donne-moi autre chose qui va compléter l'argent à 500. Ok. Ne t'inquiète pas, tu vas vraiment aimer. Tu sais que j'aime m'acheter les choses d'aujourd'hui. Voilà. Il faut bien tenir le paquet. Oui. Ok, c'est bon. Bon, je m'en vais. Au revoir, oh. D'accord, au revoir. Au revoir. Hé, oh, ma chère. Ma sœur est la personne qui me fait le plus rire dans toute cette histoire. C'est ce stupide garçon. Nier quoi? Cette espèce d'imbécile et de personne inutile. Akachi. Tchéné. Akachi me demandait l'autre jour d'être sa petite amie. Léla, Akachi. Oko, oko. Kaneri, mama, merci. Hein? On encore est quoi, Kossiano? Nebiko, on est Kossiano. Ma sœur, il fallait voir ce qu'il a fait ce jour. Il s'est mis à genoux au milieu de la route. En disant, Tizi, je t'aime. Tizi, s'il te plaît. Tizi, donne. Tizi. Que ce n'est que toi qui l'as vu dans ce village. Akachi. N'importe quoi. Akachi qui est incapable de changer ses babouches. Yay! Munachi et Tizi. Jamais de la vie. Je ne laisserai aucune de vous avoir un Kem. Kem est à moi. Et à moi toute seule. Je ferai tout ce qu'il faut pour l'avoir. Et rien ne m'arrêtera. Kem, bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien, oh. Dieu merci, je t'ai retrouvé ici. Je cherchais cette opportunité pour te parler. Vraiment? Ok, vas-y. Kem, je t'aime. Je... Parlez, ne me touche pas, parle. J'ai... Pensez à toi. Tu m'aimes? Bien sûr. Je ne peux pas continuer de mourir en silence. S'il te plaît. Donne-moi une chance de te prouver mon amour. Arrête ça. Arrête! Tu as perdu la tête? Donc c'est la raison de ta folie? Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu n'arrêtes pas de faire à chaque fois que tu me vois avec Munachi? C'est à moi de te dire ça et pas le contraire. Ah! Écoute, la prochaine fois que tu vas me voir et me dire ça, tu ne vas pas aimer ma réaction. N'importe quoi. S'il te plaît, reste à ta place. Tu m'aimes. Et je ne t'aime pas.
Kem. Nous y êtes tous appelés ici pour parler de quelque chose de très important. Vous êtes ma famille. Et de la façon dont les choses se passent dans cette maison, maman, si ça continue, quelque chose de terrible pourrait arriver un jour. La façon dont papa me traite, ses problèmes, ses disputes, sur rien. Alors, je suis venu ici avec l'idée de partir ce Tijoke pour le supplier, pour causer avec lui, de m'amener avec lui en ville. Probablement le rejoindre dans ses affaires ou apprendre un métier ou quelque chose, juste pour quitter ce village. Hein? Je sais que si je vais là-dehors et que je me bats, je vais rentrer dans une meilleure personne. C'est une très bonne idée. Hello, Kem, mon fils. Maman. Je remercie le Dieu Tout-Puissant pour t'avoir donné une telle bonne idée. Parce que je sais que ça ne peut être que Dieu. Et je sais que comme Dieu lui-même t'a donné une telle bonne idée, il va aussi te remplir de soutien. Amen. Amen, maman. Mais est-ce que tu en as parlé avec Chijoke? Maman, je n'ai pas vraiment causé avec lui. Mais bon, je lui avais déjà dit qu'il faudrait qu'on en parle. Vous êtes ma famille. Je ne peux pas prendre une décision sans vous le dire. En tant que ma mère, je me suis dit que je devais d'abord parler de ça avec toi. Tu pourrais avoir une meilleure idée ou une meilleure approche de comment m'y prendre. Alors je me suis dit que j'en parle d'abord avec ma famille pour qu'ils sachent les plans que j'ai avant d'aller chez lui. Grand frère, c'est une très bonne idée. Et je serai de ton côté à tout moment. Merci aussi, mon frère. Tu m'as toujours soutenu. Merci. Moi aussi, grand frère. Mais désolé de demander. Est-ce que tu as parlé de ça, Munachi? Oui, oui. Elle est au courant. Elle est au courant. J'ai parlé de ça avec elle, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour elle de me voir quitter le village et la laisser seule ici. Mais elle comprend. Elle sait que c'est pour la bonne cause. D'accord, c'est bon. Je demandais juste parce que Munachi est notre future belle-sœur. Oui, elle est au courant. Elle est au courant. Maman, s'il te plaît, je veux te demander que ceci ne sorte pas de cette maison. Que ça ne sorte pas d'ici. Gardons-le entre nous comme un secret, s'il vous plaît. Même papa ne doit pas être au courant de ça. Ça, c'est vrai. Maman, s'il te plaît, ça te concerne. Garde-le pour toi. Papa ne devrait pas être au courant de ça pour le moment, parce que je te connais. Votre père n'entendra pas un soupçon de ça. Il n'entendra rien du tout. Et il y a une autre chose que je veux te dire. Si tu rencontres Chidoke et tu lui demandes et il se comporte d'un genre ou s'il ne veut pas le faire pour toi, reviens me dire. Ok, maman. Sa mère et moi-même, nous sommes de la même famille, du même village. Sa mère ne peut rien me refuser. Alors, tu peux partir. Merci, maman. Alors, discutons avec lui. Merci. Je te Merci, maman. Merci. Ça va bien se passer. Amen. Amen, maman. Hi. Voilà. Je dois partir. Je dois commencer à partir. Ok. Je reviens, okay, d'accord. Mon frère, je viens avec toi. Le rejoindre. Miro. Allez, vas-y, assieds-toi. Allons au champ. Merci beaucoup pour la cola. C'est très bon, c'est bon. Tu vois, nous allons le faire plus régulièrement très bientôt. Exactement. J'en ai plus à l'intérieur. Hein? Papa, c'est bonjour. Bon, hein? Vas-y, bonjour. Viens là. As-tu salué le père de ton futur mari? Non. Mazi, bonsoir, monsieur. Ouais, ma chère, bienvenue, d'accord? Regarde, laisse-moi te dire quelque chose, hein? Nkem, mon fils, est à toi. Et à toi pour toujours. Ne te dérange pas, je suis dessus. Hein? Très bientôt, Nkem viendra te chercher. Je suis vraiment contente, monsieur. J'ai hâte que ce jour arrive. Ah, ça arrivera. Ça arrivera. Ok. Ma fille. Papa. Puisque tu es dans la maison, dis à ta mère de venir. Ok, papa.
Madego. Ah, Ouba. Hey, tu es une très belle fille. Je te dis, regarde sa taille. Regarde sa taille. Moi, j'ai une pipe bien bâtie, tu sais. Mais mon stupide fils ne veut pas le voir de cette façon. Mais ça va aller. C'est vraiment dommage. Ça va aller. Dieu a entendu nos prières. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu a entendu nos prières. Qu'est-ce qu'il y a? Chidioke a accepté de m'emmener en ville. Tu sais quoi? Quoi? Ça ne s'est pas arrêté là-haut. Il a dit qu'il va me donner un travail que je vais utiliser pour me distraire pour le moment pendant que je trouve un meilleur truc à faire. Grand frère, je suis tellement heureuse pour toi. Merci. Tu vois ce que la prière peut faire? Il faut toujours croire à la prière. Je le ferai. Et tu sais quoi? Tu as été une envoyée du ciel pour moi et ta sœur. Et je te promets que je ne ferai rien qui te blessera. C'est une promesse. Merci, grand frère. Je t'en prie. Merci. Obim, quoi? Hein? Je suis tellement contente. Merci. Pour toi. Et je crois que tu vas réussir. Amen. Amen. Mais s'il te plaît, ne te laisse pas emporter par ces filles. Aux grosses fesses et aux gros seins qui sont là-bas en ville. Ne te laisse pas emporter par elles. Souviens-toi toujours de mon ami Yo. Écoute, je n'ai jamais vu aucune femme qui a la taille et les formes de Mamounachi. Hein? Ouais. Je ne peux pas me laisser emporter par n'importe quelle femme en ville. Okay? D'accord. Obim, tu ne dois pas te déranger pour ça. S'il te plaît, hein? Dieu nous a entendus. Oui, je sais que voici le temps pour le changement. Alors laisse-moi aller gagner de l'argent comme mes égaux y rentrer. T'épouser et t'emmener en ville. Ok? Dieu est ta force. J'ai un peu d'argent. Ceci mérite d'être fêté. D'accord. Hein? Allons au bar de cette femme. Wanyoko. Alors allons fêter cette bonne nouvelle. Pourquoi ne pas utiliser l'argent pour ton transport? J'ai l'argent de transport. Mais celui-ci, utilisons-le pour fêter la bonne nouvelle, afin que je ne parte. Au moins pour la dernière fois au village. Hein? Allons-y. Obim, bébé, s'il te plaît. Je veux que nous soyons comme Kema Munachi, s'il te plaît. Tu sais que je t'aime toujours de tout mon cœur, s'il te plaît. Je t'en prie, Obim. Ada Obi. Adaobi, Tidaïze qui mon Munachi. Tu sais que tu ne pourras jamais être Munachi. Tu ne seras jamais. Ok, laisse-moi te dire ceci. Munachi est une femme avec un très grand cœur. Elle est jolie, elle est gentille, elle est voluptueuse. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a bénie en lui offrant un garçon comme Kem. Alors n'y pense même pas, arrête de penser à ça, tu ne pourras jamais être Munachi. Bébé, oui, on peut être comme eux. Si on fait l'effort de se comprendre et qu'on s'aime. C'est là où tu as tout faux. S'il te plaît, Obi, s'il te plaît. Toi et moi, on ne pourra jamais s'entendre, tu entends? Je ne pourrai jamais le comprendre. Écoute, oui, ça bébé. Ne pourra pas marcher. Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît, bébé. Non, reste. Ok, écoute. S'il te plaît. Écoute, s'il tu veux entendre la vérité, n'est-ce pas? S'il te plaît. Très bien. La vérité, c'est que je suis amoureux de Tizi. Isotope Mazoba. Bonne nuit. Obi, Obi, Obi. Oba, mon ami. La papaye est bonne. Ça vient de mon champ. Oui. Elle est bonne. Elle est très délicieuse. Elle est bonne. Tu aimes les bonnes choses, hein? On va en prendre régulièrement. Papa, bonjour. Hé, hey, reviens. Kem? Papa. Est-ce que tu es aveugle? Non, es-tu en train de me dire que tu es aveugle, que tu n'as pas vu le père de ta future femme ici? Mazioba, est-ce que tu l'as salué? Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Nkem? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de drôle à propos de ce que vient de dire ton père? Je me demande bien. Hein?
C'est moi. Mais c'est quoi ce genre de comportement? Mazi, s'il te plaît. Tu peux voir que mon père aime tellement ta fille. Oui, il peut l'épouser pour lui-même et pas pour moi. Ok, Rio, caca. Ah, papa, laisse-moi te dire au cas où tu ne sais pas. Tu vois, dans cette maison, je vais épouser ma femme moi-même. Il l'a menée dans cette maison. Et ce n'est pas toi qui choisiras ma femme pour moi. Parce que je sais, papa, ton père, mon grand-père, n'a pas épousé ma mère pour toi. Caché. Et chez mon mot glacé. Laisse-moi te dire, Kem. Et sache que mon père ne m'a pas construit de maison. J'ai construit cette maison. Alors, va construire ta propre maison et épouse cette sorcière et amène-la là-bas. Pas sous mon toit. La façon dont mes grands-parents construisent une maison et tu y as vécu, c'est comme ça que moi, je vais vivre dans ta maison parce que tu es mon père. C'est un mensonge. C'est... Kem, teste-moi, tu verras. Attends, mon frère. Donc c'est comme ça que ce garçon se comporte. Ce n'est que le début. Tu n'as rien vu. Je sais que c'est vraiment ton fils. C'est exactement ce que je vis ici depuis longtemps. Tu vois? Ouais, c'est pas normal, hein. C'est pas normal. Hey, de toute façon, ne t'en fais pas. Tu n'as pas à t'en faire, ok? Je vais gérer. Vas-y, mange ta papaye. Abraham, Abraham. Hey, hein, grand frère? J'ai une bonne nouvelle. Ma sœur chérie. Grand frère. J'ai une bonne nouvelle. Devinez quoi? Mon ami, Tidjoké qui vient de rentrer de la ville. Tidjoké m'a promis de m'emmener avec lui en ville. Hé, hey, grand frère, t'es sérieux? J'étais tellement content quand il a dit ça. Tellement content. Donc, en un rien de temps, je serai un citadin. Et toutes ces injures de papa vont s'arrêter. Je suis tellement heureuse d'entendre cette nouvelle. Je suis plus que content. Mon frère, ça c'est l'œuvre de Dieu. Mon frère, tu n'as même pas idée. La main de Dieu est impliquée. Mais grand frère, ça reste toujours entre nous. Oui, tu as raison. Voilà. S'il vous plaît, jusqu'à ce que je quitte ce village, aucune oreille ne doit l'entendre. Personne ne doit être au courant de ça. Anne-ma-boala. Je t'assure. Personne ne le saura, grand frère. Mais grand frère, tu as parlé de ça à Munachi? Bien sûr, elle est au courant. Elle est au courant. Oui, mais Tidjoki ne m'a pas encore vraiment dit quand est-ce qu'on va partir. Mais plus tard ce soir, je vais aller découvrir de lui si c'est cette semaine ou la semaine prochaine. S'il te plaît, assure-toi de le dire à Munachi. Ah, je l'ai déjà dit. Ah, les femmes. Oui, maman. Elle est sortie. Laissez-moi aller la chercher et lui dire la bonne nouvelle. Grand frère va lui dire, c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Et toi, tu vois, donc il doit d'abord dire à Munachi avant de voyager. Oui, non. Les femmes. Et hey, Sika. Mirabelle, c'est quoi cette mine? À quoi est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas maman Kichi. Cette femme me doit depuis 2 semaines maintenant. Hein? Elle me doit 2500 naira. Regarde ma boutique, hein? Je dois aller au marché. C'est dur partout. Mirabelle, tu dois te calmer. Tout le monde sait que c'est dur partout. Le marché ne passe pas, on sait. Alors, qu'est-ce que tu essaies de dire maintenant? Elle ne doit pas me payer. Ne pense pas à ça. Hein? Jessica, pardon, laisse-moi tranquille. Salut les filles. Wow! Jessie, ma puce. Jessie, tu es très sexy. Tu es toute belle. Alors, c'est comment? Ne vous moquez pas de moi, voici. S'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous êtes assise comme ça? Hein? Il n'y a pas le marché? Ma chère, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Elle était en train de me dire que quelqu'un lui doit 2500. Vraiment? Je t'assure, c'est dur partout. Jessica, mais regarde-toi, tu es toute belle, tu rayonnes. Tu es vraiment très belle. Tu es belle. Tu es vraiment très belle. Attends, mets-moi au parfum. Comment se passe ton plan? Celui du mariage avant Kim, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Jessica. Quoi? Jessica, quoi? Non, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Jessica, est-ce que tu es obligée de te mêler de tout? Oh, désolée. Dis-moi, quel est ton problème? Mais je ne fais que demander, je ne comprends pas, ne sommes-nous pas amis? En quoi est-ce que ça te concerne? Tu parles beaucoup. Ma chère, je m'en vais. Oh? Quand tu conduiras, mes bitiazon. Mais je vois non. Que tu ne veux pas que je reste. Alors je m'en vais. Mais non. Chizi, assieds-toi. Paiga, natas, naga, jivile, djinné, oulala. Chizi, ce n'est pas arrivé à ça, non? Maintenant, lève-toi.
Pardon, lève-toi, lève-toi. Sors de ma boutique. Je t'ai averti de ne plus venir. Je ne peux pas lui poser cette question. Sors de ma boutique. Tu parles beaucoup et je n'aime pas ça. Va-t'en, pardon. Mais attends, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait cette fois? Tu parles trop, tu es obligé de demander, ça te regarde. Désolée, je le faisais te lui demander juste pour savoir, comme ça nous Jessica, sors de ma boutique, s'il te plaît. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça du tout. Que je parte de ta boutique. Sors de ma boutique. D'accord. Désolée, on se verra plus tard. Ah ah, à chaque fois, tu ne fais que faire du commérage, tu ne peux pas te taire pour une fois. Tu vois, si on le fait de cette façon, ça va marcher. Oui, crois-moi, ça va marcher. Ne t'en fais pas, ça va marcher. Bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Papa. Ah, garde tes salutations. Garde-les, je n'en ai pas besoin. N'importe quoi. Tu vas chercher un gros véhicule sans, avec un petit moteur. Et lorsque le moteur se gâte, tu accuses le véhicule. C'est une coque vide. Qu'est-ce qui peut bien t'apporter? Ça, c'est du n'importe quoi. Attends, Kem. Okay. Tu veux me tester pour savoir ce que je peux te faire à toi et cette chose? Cette chose inutile qui est venue ici avec toi? Papa, s'il te plaît. Et papa, s'il te plaît, arrête. Ça suffit avec cette bagarre. Papa, Mounati n'est pas inutile. Encore moins désespéré. Et papa, écoute-moi d'abord. Écoute d'abord ce que je vais te dire. Et vous, vous êtes encore placé là? Vous êtes encore placé là? Attendez, je reviens. Mais c'est quoi ça? Papa, tu es en train d'aller loin là. Porter une chose pareille dans la maison de ton père. Tu ne vous en faites pas. Partons d'ici. Ne vous en faites pas. On ne peut pas rester ici. Ok, bien. Je vais dedans, je cherche quelque chose. Je ne peux pas t'attendre. Mieux qu'on s'en aille. On ne va rien vous faire, ok? Attendez-moi. Regardez-moi ça. N'importe quoi. Donc, vous êtes encore... Vous êtes encore placé là, hein? Attendez! Une sorcière. Revenez encore ici! Regarde ces suceuses de sang! Tu n'as pas honte? Papa? Regardez-moi ça. N'importe quoi. Et papa, c'est quoi la signification de tout ça, non? Pourquoi tout cet embarras? Hein, papa? Papa, je ne sais pas ce que cette pauvre fille t'a fait. Nkem, tu es très chanceux aujourd'hui. Tu es chanceux que mon ami soit ici et que je suis de très bonne humeur. Je t'aurais donné aussi une leçon. Papa, c'est injuste. C'est injuste. Donc tout ça à cause de cette fille. Cette fille, tu sais, hein? Papa, je te promets que je ne vais jamais épouser cette fille. Je ne vais jamais épouser cette fille. Suis-la. Tu vois, cette fille est une sorcière. Tu vois? Elle l'a envoûtée. Calme-toi, mon ami. Hein? Cette fille, on va lui régler son compte, tu comprends ça? Hey! Parce que je sais ce que cet homme est capable de faire. Je t'ai dit que je voulais rentrer. Tu as dit non. Maintenant, tu me demandes des excuses. Non, va chercher quelqu'un d'autre. Je ne suis pas la seule fille dans ce village. Obim, ne laisse pas cette toutes ces choses gâcher notre relation. Ne le laisse pas se mettre entre nous. Obim, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne. Pardonne-moi et mon père. Je sais que c'est de ma faute. Hein? Tu n'as jamais voulu me suivre chez moi. Mais j'ai insisté. Parce que je veux vraiment le dire clairement à mon père. J'ai tué mes parents. Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il m'a vu les tuer? Toi et moi savons que tu n'as pas tué tes parents. Jamais. Je t'en prie, pardonne. Et pardonne mon père pour tout l'embarras, ok? Ne laisse pas ce que mon père est en train d'apporter de malentendus, ok? Je t'en supplie. Grande sœur, s'il te plaît, pardonne-lui. Grand frère n'a jamais planifié ça. S'il te plaît. Je suis certaine qu'un jour, toutes ces choses seront derrière nous. Grande sœur, s'il te plaît. Que je lui pardonne. S'il te plaît. Que je lui pardonne. Est-ce que c'est moi qui traverse tous ces troubles dans ce village? C'est trop facile pour toi de parler. Que je lui pardonne. Tita, que je lui... Laisse-moi tranquille. Obim. Que je lui pardonne. Obim.
S'il te plaît. 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 Je fais ça à cause de toi. Je fais ça à cause de toi. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Qu'est-ce que j'ai fait à ton père? Je fais ça à cause de toi. Si il essaye la prochaine fois, je vais arrêter de te parler. Je fais de mon mieux. S'il te plaît. Je fais ça à cause de toi. S'il te plaît, je t'en supplie, ok? S'il te plaît. Souris alors. Badan, tu es content maintenant, n'est-ce pas? Tu es très content. Tu as fait ce que tu voulais. Ton ami et toi, Mazuba, vous êtes content, n'est-ce pas? Hein? Papa, laisse-moi te dire. Il n'y a rien que toi et nous, n'importe qui fera pour tuer l'amour que j'ai pour Munachi. Hein? Personne ne tuera l'amour que j'ai pour elle. Tu m'imposes une femme? Une fille qui n'est même pas bien éduquée, c'est elle que tu veux que j'épouse? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Naï, que se passe-t-il ici? Demande-lui. Demande-lui ce qu'il a fait aujourd'hui à Munachi. Demande-lui. Je n'ai aucun problème avec personne. Tu vas à l'intérieur? Tu vas à l'intérieur? Pas de problème. Maman. Moi, je... Maman, je suis confuse. Et qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Hein? Kem. Ah! Seigneur, c'est quoi tout ceci? Ah! Oh. J'aurais aimé être là. J'allais mettre la cible là-dedans. Cette fille mérite. De toute façon, vous êtes en train de rire, tous les deux. Si quelque chose arrive à cette pauvre fille, vous serez tous les deux tenus pour responsables. C'est quoi ces accusations? Tu entends ce que ta mère raconte? Est-ce que j'ai touché cette fille? Hein? Est-ce que je l'ai touchée? Ne fais pas attention à elle. Ah. Il est venu, il a versé l'eau sur elle. Bam. J'aurais aimé être là. J'aurais ajouté l'acide là-dedans. Cette fille mérite de mourir. Il fallait pas, la voir. Elle était comme un rat trempé dans l'eau. Mirabelle, si tu me demandais, je te dirais de dire à Chizzy d'oublier Nkem et Munachi. Nous pouvons tous voir que le jeune homme n'est pas prêt à laisser tomber Munachi. Hein? Qu'en penses-tu, Mirabelle? C'est mieux que tu le dises. Jessie, ma puce. Oui. Jessica. Oui. Est-ce que tu crois que je me bats pour rien? Attends, je ne comprends pas. Que veux-tu dire par là? Ne t'en fais pas. Attends. Donc, ce que m'a dit Abraham était en fait vrai. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ce jeune homme qui fait que tout le monde, je veux dire tout le monde, court derrière lui et partout sur lui? Qu'est-ce que c'est? Jessica, changeons juste de sujet. Ça, c'est une histoire pour un autre jour. Mauvaise fille! Mauvaise fille! Ma chère amie, Mirabelle, ma chère amie. Est-ce où elle est? Naï. J'ai besoin de vin ou apporte-moi quelque chose à boire. Naï, voici l'eau que tu m'as demandée. D'accord. Nayo. Oui? S'il te plaît, je veux te supplier pour Kem. Hein? Laisse ce garçon épouser la femme de son choix. Tu sais que le mariage est basé sur l'amour, l'harmonie et le bonheur. S'il s'engage à épouser Chizzy, ils ne pourront pas vivre en paix. Parce qu'il n'y a pas d'amour, de paix. Ça suffit! Donc, tu ne veux pas me laisser boire cette eau que tu as apportée? Mais non, je... Hein? Ok, reprends ton eau. Stupide femme. Hey,
Dégage de ma vie maintenant. Dégage. Mais c'est quoi tout ça? J'ai dit dégage. Hé, hey, reviens ici. Prends ce gobelet et apporte-moi de l'eau. Nkem Mounachi. Vraiment, imagine-toi un seul instant que ça se passe comme ça. Hein? Sérieux, imaginez-vous un seul instant que ça se passe comme ça. Watch out for Maka. Hmm? Regarde-toi. Tu n'as pas du tout honte? Hein? Espèce d'orpheline. Laisse-moi tranquille pendant que je parle. Tu te pavanes même partout. Hein? Tu n'as donc rien à faire. Hein? Tu n'as pas honte à ton âge. Oh, tiens, non. Hein? Tu te pavanes Mais partout. Qu'est-ce qu'on a fait? Tu as fini de parler? Pardon, ferme ta bouche. Tu n'as pas honte? Hein? Réponds-moi. À ton vieil âge, regarde-toi. Tu n'as pas honte. Tes égaux sont en ville, en train d'envoyer l'argent à leurs parents. Tout ce que tu fais dans ce village, c'est de te pavaner avec cette misérable orpheline. Monachi, ne prête pas attention à cette chienne folle, ok? Quand elle aura fini de jacasser, elle continuera son chemin. S'il te plaît, allons-y. Regardez qui parle. Regardez. Mirabelle. Ne m'appelle pas. Mais ça suffit, qu'est-ce que tu as contre eux? Des gens sans vergogne. Ça devient de trop. Tu n'as encore rien vu. Je vais te montrer. Tu n'as encore rien vu. Monachi, allons-y. Reste là et viens me taper. Allons-y. Attends, grand frère. Pourquoi est-ce que les gens nous détestent tant dans ce village? Pourquoi? Ma chère, personne ne vous déteste, ok? Ça, c'est un acte de jalousie. Mais je te promets que je serai toujours ton défenseur. Ok? Tant que je suis dans ce village, aucun mal ne s'approchera de toi. Si tu finis de me regarder, viens me taper. Ça suffit, non? Oublie cette chienne folle et partons. Je t'attends, Aneka. Allons-y. Mirabelle, c'est quoi ça? Est-ce que tu dois toujours faire une scène partout? Enfin, je fais des scènes maintenant. Je n'aime pas du tout ça. Sérieusement, tu commences à exagérer. Tu exagères. Tu t'acharnes sur une fille pour un homme qui ne te regarde même pas. Tu exagères. Obim. Ne t'en fais pas, ok? Tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais en ville pour rendre meilleure personne. Comme ça, je pourrais gagner de l'argent comme les autres jeunes hommes et vivre une meilleure vie. Ok? S'il te plaît, sois juste prudente et prends soin de ta sœur, d'accord? Hein? Grand frère, s'il te plaît, je voudrais que tu promettes à ma sœur et moi que quand tu te retrouveras demain en ville, tu ne nous oublieras jamais parce que tu es tout ce que nous avons dans cette vie. Chida, comment est-ce que je peux penser ça? Ce n'est même pas possible. Pas après tout ce que nous avons traversé dans ce village. Et non, ce n'est pas possible. Monachi ici, très bientôt, elle sera la mère de mes enfants. Je vais aller là-bas pour me battre et gagner de l'argent. Et rentrer et faire le nécessaire, ok? Oui, cela me revient à l'esprit, s'il te plaît. J'ai dit à ma mère et à mes cadets de toujours veiller sur vous. Hein? S'il y a quelque chose dont vous avez besoin, n'hésitez surtout pas d'aller chez eux. Si possible, envoie Cheta d'aller chez eux. Ma mère est là pour te donner toute l'assistance dont tu en auras besoin. J'ai compris. Menkem, s'il te plaît. Ne nous oublie pas. Oh. Tu sais qu'Abigail et toi, vous êtes les seuls gens que nous avons dans ce village. Et tous les deux, vous quittez le village au même moment. S'il te plaît. Obi, ne t'inquiète pas. Je ne vais jamais t'oublier. Je ne vais jamais te quitter pour une autre femme dans ce monde. Dans cette vie. Ok? S'il te plaît, n'oublie pas. On va toujours chez ma mère, au cas où vous aurez besoin de quoi que ce soit. Hein? Quand je vais arriver en ville, je vais chercher un moyen
de t'acheter un petit téléphone où nous pourrions communiquer. Hein? Ok. Tu me manques déjà, je t'assure. Tu vas aussi me manquer. Vous allez m'accompagner. Il se fait tard. Je suis sûr que mon père va être fou que je ne sois pas à la maison en ce moment. Ok. Feta? Oui, grand frère. Allons-y. Okay. Ah, ah. Grand frère? À te voir faire ta valise comme ça, j'espère que tout va bien. Abraham. Grand frère? Je pars très tôt demain matin. Ah? Pour la ville? Pourquoi est-ce que tu me demandes pour ou comme si tu ne savais pas? Je vais aller avec mon ami Tidjoki en ville. Tu veux la voir? Oui, avec Tidjoki. Hein? Demain matin très tôt, on partira. Et tu es la seule personne qui est au courant de ça. Hein? Ne dis à personne d'autre. Hein? Deuxième chose. S'il te plaît, je t'en supplie au nom de Dieu. Toi, Blessing et maman, vous devez prendre très bien soin de Mounachi pour moi. Ok. Hein? Mmh. Hein? Veillez toujours sur elle. Ne laissez pas ces stupides filles les approcher encore. Ah, ah. Et si quelqu'un t'entre, cogne la tête de la personne et dis-moi. Ok? Ok, grand frère. S'il te plaît. Je ferai comme tu as dit. Où sont papa et maman? Je crois qu'ils sont allés dormir. Oh, c'est mieux. C'est ce qu'on va faire. Ma chaussure, hein, va m'aider à la nettoyer comme ça, je vais aussi la garder ici. D'accord? Moi, je vais continuer à plier mes affaires. Je vais aller faire ça. Pas bien. Pourquoi il est comme ça? Je ne comprends vraiment pas. Je suis fatiguée de tout ça. Quand est-ce que tout ça va prendre fin? Je ne sais pas. Qui est là? Qui est dans cette cuisine? Blessing! Blessing! Maman! Blessing, viens! Blessing! Qu'est-ce qui se passe ce matin? Pourquoi est-ce que tout le monde a disparu? Hein? Je ne sais pas. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour. Eh bien, Kissy, d'où est-ce que tu viens? Et où est ton frère? Maman, assieds-toi. Il y a quelque chose d'important que je dois te dire. Kimo. Assieds-toi, maman. J'espère que tout va bien. Tout va bien, maman. Viens juste t'asseoir. Il n'y a aucun problème. Maman? Je veux t'annoncer que grand frère Nkem est parti pour la ville. How? How? Hey maman, pourquoi tu cries? Hein? Écoute, maman, grand frère m'a demandé de te dire que s'il te plaît, prends bien soin de Mounachi et sa sœur pour lui. How? Que personne d'autre ne doit l'entendre ou être au courant de ça. S'il te plaît. Hey, mais il aurait dû me le dire. Je gardais de l'argent pour lui, même si c'est pour acheter quelque chose à manger. Il aurait dû me dire. J'étais avec lui toute la nuit d'hier. Maman. Il est déjà parti. Ne t'en fais pas. Faisons comme Abraham a dit. Et tu sais la raison pour laquelle grand frère a dû faire ça. S'il te plaît, j'irai voir Mounachi et sa sœur plus tard. C'est bien. Enfin, que votre père se repose. Il a toute la maison pour lui seul. Ne t'en fais pas, maman. Mon grand frère ira bien où qu'il se trouve. Dieu va le bénir, Dieu va le guider. Merci, Seigneur, toi qui réponds toujours à mes prières. Hey! Ah! Regardez-moi ce mangue. Ça fait longtemps que je n'ai pas cessé de manger. Seigneur! Bébé Tizi, comment tu vas? Que fais-tu là? Et depuis quand est-ce que tu restes ici? Ok, yeah, ça fait plus d'une heure déjà que je suis assis là. Oui.
Vraiment? Oui. Et comment as-tu su que je vais passer par ici? Ah, je suis toujours à Kashi et j'habite toujours dans ce village, pour autant que je sache. Il y a peu, je t'ai suivi et j'ai constaté que c'est la route que tu as l'habitude de prendre quand tu sors. Je commence à comprendre. Donc tu m'as suivi, n'est-ce pas? Aïe! Les hommes de ce village. Où est-ce que tu vas de ce pas? Je vais à la boutique de mon amie Mirabelle. Je vais voir si elle se porte bien. Ok. Pourrais-je t'accompagner? Hein? Je ne veux pas les ennuis. Non, Tizi! Tout ira bien, t'inquiète. Tizi, ma puce. Tizi, la citadine. Bien. Merci. Je pourrais savoir ce que c'est? Vas-y, qu'est-ce que c'est? Arrête. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Attends. Les collés. Merci. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? T'ai-je demandé où tu t'es coiffé? Je sais que tu viens de la ville. C'est la raison pour laquelle je ne t'ai rien demandé. Okay. Tu sais, t'es à dévorer. T'es la reine de mon cœur. Attendez. Arkati. Ah, je comprends maintenant. Donc c'est la raison pour laquelle tu as abandonné ma fille. Tu les écrases comme des arachides. Arkati. C'est comme ça que tu fais? Tu manges. Et jusque-là, et jamais, tu ne t'es rassasié. Tu les échanges tous les jours. Tu finis de sucer une, tu la jettes, tu la mets de côté. Tu as sucé toutes les bonnes choses qu'il y avait dans ma fille. Et maintenant, tu t'en vas chez la fille de Mazou. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. On verra bien. T'entends? On verra bien. Akachi, qu'est-ce que cet homme raconte? Tizi, j'ai quitté sa fille pour de bon. C'est terminé entre nous deux. Tu en as terminé avec ma fille. Très bientôt, tu en auras fini avec la fille de Mazouba. Je vais te donner une queue, taille 34. Tu vas marcher de cette façon. Tu vois? T'inquiète pas. Tu vas marcher comme ça. Oya Kotoru, t'en pas. Puisque tu as décidé de détruire toutes les filles de ce village, tu vas marcher patampa. Higeboumou. Espèce d'idiot. T'en fais pas, je reviens pour toi. Cheese, écoute-moi. Cet homme a peut-être raison. Non, cheese. Mazi. Ah, Mazoubé. Dieu merci, je t'ai trouvé à la maison. Je suis juste venu ici pour te mettre au courant de ce qui s'est passé entre ta fille. Entre ta fille et Akachi. Hein? Je les ai vus en bordure de la route il n'y a pas longtemps. Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que tu avais ma fille avec qui? Comme je les ai vus sous un arbre. Ils étaient là à faire les romantiques, à parler. En train de faire des bêtises, je sais pas trop. Où sont-ils? Ils sont sous un arbre, mais je ne pense plus qu'ils seront là en ce moment. Je me suis juste dit... Viens, montre où ils sont. D'accord. Je t'assure que je les ai vus avec mes deux yeux. D'où est-ce que tu viens, toi-même? D'où est-ce que tu viens? Mais je te demande d'où est-ce que tu viens. Si tu ne te réponds pas tout de suite, je vais te mettre une bonne gifle. J'étais à... Et la ferme, sinon je vais t'en coller une. Je suis là à pleine fée, comment tu vas y épouser, ok? Et tu es là à suivre Akashi, de gauche à droite au centre. C'est irresponsable et bon à rien. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Mais Naï, c'est ce que tu voulais, non? Hey, ne m'énerve pas. Je ferme ta bouche et va à l'intérieur. La vérité blesse. N'importe quoi. J'ai parlé. Occupe-toi de tes marmites. N'importe quoi. Hein? Tu penses que tu vas me donner la honte? Tu penses que tu vas me donner la honte? Ne t'en fais pas. Tu verras ce qui va se passer.
Bonjour, papa. Abraham. Papa. Va m'appeler ton frère. Va m'appeler ton frère. Je veux lui parler. Papa, il y a un gros problème. Quel problème? Un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, je n'ai pas vu mon frère depuis le matin. Je suis même allé regarder chez Monachi, mais il n'est pas là-bas. Oh, ce nom, Monachi. Pourquoi est-ce que tu prononces le nom de cette fille-ci? Est-ce que tu as demandé à ta mère et à ta sœur? Papa, je leur ai demandé. Elles disent qu'elles ne l'ont pas vu depuis le matin aussi. Il va revenir. Tidjoké, Tidjoké. Hey! Mon frère, tu sais, c'est la vie. Tidjoké! Toi, tu n'es pas venu en ville pour dormir, hein? Je suis très content pour toi. Tidjoké, regarde-toi! Quand tu quittes le village, au point de gagner tant d'argent. Hein? Et que tu sais, mon frère, dans la vie, il faut savoir se battre. Je n'en crois pas mes yeux. Tidjoké, tout d'abord, j'aimerais vraiment te remercier de m'avoir fait sortir de ce village. Hein? Mon ami, en fait, voilà mon plus grand miracle. Mais écoute, j'ai fait ce que je devais faire. Tu es mon ami. Mon vieil ami. D'ailleurs, tu es mon frère. Hey, tu es mon frère. Tu veux dire que tu es le propriétaire de toutes ces boutiques? T'en fais pas. Tu es un grand homme, hein? Tu verras toutes les boutiques. Tu verras toutes les boutiques. Comme je te l'ai dit la nuit dernière, notre dernière conversation, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Tu sais, la raison pour laquelle je t'ai amené ici, c'est pour te montrer toutes les boutiques. Tu comprends? Bien. J'attends également que mes marchandises arrivent. Oui, j'attends la marchandise. Ok, attends. Ouais. Ok, du coup. J'attendais ton appel. Je n'ai toujours pas été livré, tu sais. Bien sûr que j'attends. Depuis, j'attends. Je suis en attente. J'ai payé l'argent hier. Je lui ai donné l'argent hier. Il m'a demandé de lui donner 1 600 000. Je lui ai fait un transfert de 1 600 000. Et tu sais, mes clients sont en train de se plaindre dans l'autre boutique. Ok, ils sont en route. Super, il n'y a pas de problème, merci. Je suis à la boutique, ils viennent, il n'y a pas de souci. C'est la livraison dont je parlais. Alors, tu as vu l'affaire? Une très bonne affaire, une affaire très lucrative. Ce n'est pas difficile, mais si tu tiens et tu trouveras ton compte. Avant de te rendre compte, tu auras réussi. J'ai quelques garçons ici. Ils te montreront, je vais également te montrer à combien est-ce qu'on vend chaque espèce de bois, est-ce que tu comprends? C'est facile. C'est très facile. Tu comprends? Avant de te rendre compte, tu auras gagné beaucoup d'argent. Et partout au village, on dira qu'un game a réussi. Toi aussi, toi-même tu sais que je ne suis pas un paresseux. Toi-même tu sais, on a vécu ensemble, toi-même tu sais que je ne suis pas paresseux. Tu sais. C'est rien, hein? C'est rien. Ce n'est rien, mon frère. Vraiment. Je t'en prie. Tu vas essayer. Tu veux me laisser toute une boutique pour moi? Comment est-ce que je vais connaître les prix? Tu vas m'en montrer, n'est-ce pas? Je te dirai les prix, je te l'ai dit tout à l'heure. J'ai quelques garçons là-bas. Vraiment? Ils vont également, il faudra les observer. Et en quelques temps, tu auras tout compris. Merci, mon frère, merci. Bah non. Hein? Si tu ne connais pas, tu leur demandes. Si tu ne connais pas, c'est pas grave, tu leur demandes. Je comprends. Puis on va voir, je te montre les boutiques en question. Ok. Hey! Bon, on va laisser ouvert pour qu'on sache qu'on n'est pas loin. Thank you.
Comment vas-tu? Je vais bien. Je vois ça. Qu'en est-il de ton frère Kem? Il va bien. Hein? Jessica, comment tu vas? Ma chère, je suis là. Je suis... Et où est-ce que tu vas? Je vais au marché chercher quelques trucs. D'accord. Blessing, s'il te plaît, quand tu vas arriver à la maison, aide-moi à saluer ton frère Kem. D'accord? Passe-lui mes salutations, ok? Mirabel, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? C'est quoi ce regard? Yeah. Regardez-o. Donc je ne peux plus saluer quelqu'un. Tu es terrible. Mirabel. Moi, Jessica. Je ne t'ai jamais menti. Je t'aime. Et tu n'es pas qu'une amie pour moi, mais ma sœur. S'il te plaît. Je veux te supplier d'aller de l'avant avec ta vie. Oublie Kem et Munachi. Hein? Ok. Où est Chizé? Cette même Chizé qui t'a amené pour la première fois te bagarrer avec elle contre Munachi. Et maintenant avec Akachi. Hein? Le même Akachi qu'elle a dit qu'elle ne peut pas sortir avec. Qu'il est toujours ci, qu'il est toujours ça. Mais maintenant ils sont ensemble. Et si je parle? Et tu vas dire, Jessie a fait ci, elle a fait ça. Je fais ça simplement parce que je t'aime. Et je ne veux pas que tu t'égares. S'il te plaît, laisse juste tomber. Oublie-les tout simplement. Je t'en prie. Ankem et Munachi sont faits l'un pour l'autre. Oublie-les tout simplement. Et avance avec ta vie. Écoute, tu es une très belle femme. Il y a beaucoup d'hommes dans ce village. Qui aimerait te demander un mariage. Alors essaye de donner la chance à quelqu'un d'autre et arrête de courir après l'impossible. Jessica, ma sœur. Oui, Mira. Tout d'abord, j'aimerais te demander des excuses. Pour tout ce que je t'ai fait. Je veux dire, hormis les bagarres, les disputes, les embarras que je t'ai causés, tu m'as toujours choisi comme ton amie. Tu te rapproches toujours de moi. Tu viens toujours dans ma boutique. Tu es sans doute une amie. Je veux vraiment t'apprécier pour tous les conseils que tu m'as donnés. Si j'avais su, je t'aurais écouté plus tôt. J'ai vraiment très honte de moi-même en ce moment. Je veux te dire merci beaucoup. En vérité, tu es une amie. Wow. Merci beaucoup. À quoi servent les amis? Hein? Tu es ma sœur. Allez, ça va. Viens là. Viens par là. Chizé. Tu crois qu'il s'agit de m'emmener pour combattre Munachi? Mais mets ça en tête que moi, Mirabel, je vais venir pour toi. Oui, toi, Chizé, je vais sans doute venir pour toi. Je te le promets. Merci. Ou pas, mon bon ami. Je ne sais pas par où commencer. Quelque chose de sérieux est arrivé. Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, Nkem. Je ne le retrouve pas. Hey. Mais attends, es-tu sûr de ce que tu es en train de dire?
Est-ce que je peux blaguer avec une chose pareille? Non. Je ne le vois pas. Es-tu allé chez cette... ce petite fille qu'on appelle Monachi pour voir s'il y est? Non. Non, je ne l'ai pas fait. Mon fils Abraham a dit qu'il était parti là-bas. Et il ne l'a pas vu. En tout cas, écoute, je te suggère que tu y ailles toi-même. Parce que... j'ai le sentiment que tout ceci n'est qu'un coup monté. Un coup monté. Tu as raison. Tu as raison. Je vais y aller moi-même. Oui, c'est mieux. Je serai là-bas. Monachi. Nkem. Pas de soucis. Grande sœur, c'est comme ça que ça s'est passé. La prochaine fois, essaye de faire plus attention. Sois prudente, fais très attention. C'est très dangereux pour toi. Sois prudente. Je vous salue toutes les deux. Bonjour les filles. Monachi. Maman. Comment vas-tu? Bonjour maman. Cheta et toi, ça va? Je vais bien, maman. J'ai juste décidé de vous rendre visite. Maman, merci. Maman, viens prendre place. Grande sœur Mona, comment tu vas? Je vais bien. Prends place. Mona. Maman. Tu sais qu'un cinquième était là. C'est lui qui avait l'habitude de venir chez toi pour prendre soin de vous. Mais comme il n'est pas là, je me suis dit que je devais venir pour savoir comment vous vous portez. Merci. Maman, j'espère que tu as les nouvelles de grand frère. Ma chère, Cheta, je n'ai pas de ses nouvelles. C'est bien. Mais on s'attend à avoir de ses nouvelles bientôt. J'ai vraiment hâte. Grand frère est une très bonne personne. Et je prie Dieu pour qu'il soit avec lui. Au nom de Jésus. Amen. Cheta, tu es tellement une bonne fille. Merci, mais c'est grand frère qui est gentil. De toute façon, maman, Mona, alors comment est-ce que tu t'en sors? Par la grâce de Dieu, nous allons bien. Ne t'en fais pas, Dieu continuera de t'aider. De toute façon, voici les provisions que je t'ai apportées. Ici, il y a des ignames, du riz et du haricot. Maman, merci. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est plus qu'assez. Il n'y a pas de quoi. N'importe comment, vous allez pouvoir vous débrouiller avec. Utilisez-les pour vous nourrir. Oh? Maman, merci. Ce n'est rien. Il n'y a pas de quoi. C'est bon. Aou, nous devons partir parce que nous avons une réunion aujourd'hui. Aussi vite? Ici au village. Je vais donc vous accompagner un peu. Ma chère, ne te dérange pas. D'accord. Une autre fois. Merci beaucoup, Blaise. D'accord. Bye-bye. Bye-bye. Au revoir. Donne-moi ça. Grande sœur, cuisine mignon. Cuisine mignon. Abraham? Papa? Regarde-moi droit dans mes yeux. Et dis-moi que tu ne connais pas où est-ce que ton frère se trouve. Ça fait déjà plus d'une semaine maintenant et personne ne l'a vu. Es-tu en train de me dire que tu ne sais pas où il est? Ah, papa, je te l'ai déjà dit avant, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est parti. Après tout, c'est toi qui as dit que tu allais le régner, non? Comment je fais pour savoir où il est et je ne te dis pas? Papa, comme tu peux le voir, je faisais quelque chose avant que tu ne viennes. Si tu permets, je vais continuer à faire mon travail. Tu pourrais reculer un peu pour éviter la hache. Thank you.
Mon gars, le bois léger, 100 pièces. 95 pièces de petit bois. Donc c'est ça. J'espère que tu as bien compris ce que j'ai dit. Hein. Tu as compris? Madame Boko, Boko, Boko. Ok. Le total fait 272 900. Oui, les 900 font partie du total, c'est ça, c'est bien le cas. C'est bien le cas. Yeah. Aïe, oui, Fia. Vraiment? Aïe, oui, gagne-moi de job. Pour moi, il y a ma couf, ouais. Mais ce n'est pas pour rien que je t'ai demandé si tu as bien compris. Ce n'est pas la blague que je fais là. Je travaille là. Tu crois que c'est un jeu ou quoi? Tu t'es donné les bons prix, mon frère. Hein? L'ingénieur, parce que c'est toi, hein. C'est parce que c'est toi que je fais ça. Je préfère te donner les bons prix avant que tu me dises que je ne t'ai pas donné les bons prix. Alors je vais recalculer et puis... Obia, viens. D'accord. Tu as fini de compter les bois? Hein? Tu as fait ce que je t'ai demandé de faire là-bas? Avec lui? Hein? Et les bois qui étaient d'autre côté là, tu as fait ça? Le gars qui est juste en face de lui, c'est ça? Oui, prends ça, tu viens avec. Et tu vas voir ça. Patron, seulement les planches? Seulement les planches, pas de ciment, pas de fer. Non, non. Les planches, non. Celles que j'ai mis derrière, là, tu vois, non? D'accord. Fijabod. Et celui-ci, ça fait 2x4. Et le reste, tu les vends. Ok, potseva, akuza, okuza, whatever, ayon. D'accord. Hein? Tout ça. Je me mets en route alors. Il revient, d'accord? Mon cher ami, sois le bienvenu. Sois le bienvenu, hein? Nickel, mon ami. D'accord. Ouais, c'est content. Les choses se passent vraiment très bien. Je suis très fier de toi. Très fier de toi. Hein? Si tu m'avais pas amené en ville, tu serais en train de me morfondre au village. Je vois, c'est exactement ce que je dis, je comprends. Honnêtement, si je n'étais pas venu au village pour te voir sérieusement, je n'aurais pas compris. Oui. Je n'aurais pas compris. Hein? Je te crois. Je n'aurais pas compris ta situation. C'est ça. Mais tu vois, cette situation, je pense que c'est ainsi que tu l'as voulu. Je suis convaincu que si tu rentres au village maintenant, papa et maman seront fiers de toi. C'est tout ce que je veux, mon frère. Merci. Merci. Hein? Merci vraiment beaucoup. Bravo, merci. Mon frère. Écoute, je passais par là et je me suis dit qu'il fallait que je vienne te voir. Ah, oui, okay. Il fallait que je vienne te voir. J'ai quelque chose pour toi. Ok. Ça, c'est un petit cadeau de ma part. Uh-huh. Pour tes affaires. Ça, c'est 1 500 000. Un petit cadeau pour que tu puisses lancer tes affaires. Tinyuki, pourquoi est-ce que tu me donnes tout cet argent? Hein? Mais tu es mon ami, n'oublie pas, tu es mon ami. Un frère et un très bon ami à moi. 1 500 000. Mais écoute, tu le mérites bien. Hein? Je le fais pour d'autres personnes qui ne sont pas mes amis. Combien de fois, toi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire sans toi? Merci vraiment beaucoup, mon frère. Je suis très content et fier de toi. Dieu va continuer à te bénir et à t'enrichir. Amen. Dieu va continuer à remplir tes poches. C'est... Merci vraiment beaucoup. Merci. J'apprécie vraiment. Hein? Ah! 1 500 000. Qu'est-ce que je n'aurais pas fait sans toi, mon frère? Qu'est-ce? Aïe! Hein? Je vais l'investir dans le ciment. Tu es vraiment très malin. Merci tu beaucoup. Tu es très malin. Je t'assure. Tu as développé autre chose. Mon frère. Oui. Investis dans le ciment. Ajoute-le à ton compte. Quand tu arriveras au village, maman et papa seront fiers de toi. Crois-moi. Moi aussi, je vais devenir comme toi. Bon, mon frère, il faut que je m'en aille. J'ai des activités à suivre. Oui. On reste en contact, on s'appelle, ok? Merci vraiment. À la prochaine, d'accord? Hé! Hey. Regardez. Regardez, Tijoki. 1 500 000. Et je n'ai même pas demandé. 1 500 000. Je vais investir dans un bon business. Ça alors. Patron! Hein? Il y a quelqu'un qui veut les planches. Et ce n'est que ça qui reste. Oui. Ouais. C'est bon. C'est bon pour aujourd'hui, ok? C'est bon. On a vraiment beaucoup travaillé aujourd'hui. Hein. C'est bien. Où pourrait être ce garçon? Ego, mon frère, ressaisis-toi. Rien n'arrivera à ton fils. Oba, Ojukwaniari, pourquoi tu le consoles? Pourquoi tu le conseilles?
alors qu'il connaît la personne qui est derrière la disparition de son fils. Hein? Hey, non, écoute, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne connais personne qui garde mon fils. Il ne faut pas que ce que tu es en train de dire soit ce à quoi je pense. Oh, oh. Mais que ce que tu as dit ne soit pas ce à quoi je pense. Laisse-moi te poser une question. Tu restes avec ton fils si ce n'est Mounadji? Jamais. Jamais, d'accord. Ça ne peut pas être ça. D'accord, continue de dire ça jamais. Ça ne peut pas être ça. Regarde, j'ai envoyé Abraham dans la maison de cette fille. Elle a même dit qu'elle cherchait une game. Mensonge. Afaka Nagwa et Jimbedou Nagwa Fenou. Ego, appelle la police et arrête cette fille. Elle te dira où trouver ton fils. Moi, je t'ai dit ce que je pense. Ego Sugo Dinozo. Attendez. Ego. Ce que Ekpek dit est juste. Peut-être qu'une fois que tu l'auras confronté, elle te dira la vérité. Peut-être qu'elle t'en dira même plus. Voilà. Edimbeduna Guafanou. Je t'ai dit. Écoute, bon, Suzy. Eh bien, voilà ce que je vais faire. Tu t'imagines? Je vais le faire. Voilà la maison de cette sorcière. Voilà, voilà cette idiote. Voilà la fille stupide. Voilà la fille arrêtée là. Madame, vous êtes en état d'arrestation. Hey, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ne vous en faites pas, quand nous arriverons au commissariat, vous le saurez. Allez, avancez, avancez. Suivez-nous juste. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, si. Amenez-la. Mazi, s'il te plaît. Allez-y. Allez, avancez. S'il te plaît, Mazi, s'il te plaît. Mazi. Ne vous en faites pas, quand nous arriverons au commissariat, vous le saurez. Mazi. Levez-vous, madame. Allez, debout. Mazi, s'il te plaît. Levez-vous. Mazi, s'il te plaît, je n'ai rien fait de mal. Mazi. Allez, entrez. Mazi, s'il te plaît. Je vais m'assurer d'éteindre toute cette famille. S'il te plaît. Je vais le faire. S'il te plaît. Maintenant, vous savez quoi faire. Amenez-la d'abord au poste de police, hein. Je vais vous rejoindre. Je pars chercher un peu d'argent. Amenez-la. Je vais voir comment tu vas revenir et charmer mon fils. Je vais voir. Grande sœur! Grande sœur! Ce n'est pas... Njeta? Grande sœur, non! Njeta! Njeta! Njeta, pourquoi tu cours? Pourquoi tu pleures? Et qu'est-ce qu'il y a? Njeta! À chaque fois, j'appelle sa fille, mais elle ne me répond pas. Elle dit que je suis ivre. Ok, où est-ce que je vais maintenant? Par ici ou par là? Non, je vais par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mouna était ici. Mounadji? Non, nous ne l'avons pas vu. Est-ce que tu as vu Mounadji? Non, maman, je ne l'ai pas vu. Chita, qu'est-ce qu'il y a? Qui te poursuit? Je n'ai pas vu ma sœur. Elle n'est pas à la maison. Elle n'est pas à la maison. N'es-tu pas sûre qu'elle est allée au marché? Non, non. Chita, reviens. Chita. Ou pas? Je suis l'homme le plus heureux. Tu vois, peu importe dans quoi je m'investis, si ça ne marche pas, ah, c'est que ce n'est pas moi. Bien sûr que c'est pour cela que je suis ton ami. Mon ami. Oui, mon ami. Hey, wow. C'est pour cela que j'étais comme ami, tu sais. Hey, ça va aller.
Bonjour. Revenez, revenez, revenez. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vos visages sont comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Papa, on ne sait pas où se trouve Munachi. Eh bon? Mona quoi? Munachi. De quelle Munachi parlez-vous? La même Munachi que tu détestes tellement avec passion. Hey. Elle est maintenant perdue. Et je ressens que tu es responsable de sa disparition. Mon Dieu, qu'est-ce que tu racontes? Attends, attends, Ezewane. Est-ce que par hasard tu seras en train de m'accuser d'avoir kidnappé Munachi? C'est le cas? Bien sûr. Pourquoi je ne le ferais pas? Pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? Lorsque ton ami et toi ne voulez pas laisser cette fille en paix. Et je suis sûre que c'est l'idée de ton ami, Mazi Ouba. Attends un peu. Quel Ouba? Toi, bien sûr, je suis en train de parler de toi. Toi qui es assis ici. Simplement parce que mon fils a choisi Munachi au lieu de ta fille. Il ne veut pas épouser ta fille. Est-ce que c'est un crime? Si quelque chose arrive à cette fille, vous allez voir. Tous les deux. Je vais réserver le reste de ma phrase. Ouba, dans ma maison. C'est dans ma maison que cette femme ose me menacer. Elle m'accuse à tort. Si je savais, je ne serais pas venu ici aujourd'hui. Je suis très confus. Je suis plus confus que toi. Ah ah, Blessing. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es là toute seule? Je n'aime pas le visage que tu fais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Mais Blessing, je te parle. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne trouve Munachi nulle part. Quoi? Munachi? Elle est introuvable? Non, ça, c'est pas possible. Abraham? Blessing, ça va? Et tu es assis là tout seul, qu'est-ce qu'il y a? Je ne vais vraiment pas bien. Je ne vais pas bien du tout, je cherche un moyen de joindre grand frère Nkem. J'ai eu le numéro de Sidioke, son père me l'a donné hier quand je l'ai rencontré en route. Ok. Il n'est plus là, le numéro qu'il m'a donné ne passe pas. Hein? Essaye encore et voyons. T'en es sûr? Oui. Ça sonne. Ça sonne. Allô? Allô? Oui, allô? Tidioke. Grand frère Tidioke, bonsoir. Comment tu vas? Tidioke, c'est moi, Abraham, le petit frère Duncan. Oui, oui, oui. Nous allons bien, ça va. Et vous, ça va? Nous allons très bien. Grand frère Tidioke, s'il te plaît, je cherche un moyen de joindre mon grand frère Duncan. Ok, ok. D'accord, grand frère. Pas de soucis, merci. Je vais attendre. Merci. Ok, prenez soin de vous aussi. Waouh. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il va nous envoyer le numéro de Kem et on va l'appeler en personne. C'est bien. C'est bien, c'est une bonne ouais, chose. C'est je super. Suis je suis en train d'aller chez Chita pour voir si elle va bien. Oh, moi-même, je voulais me rendre là-bas aujourd'hui. Mais à cause de tout ça, en fait, allons-y. Allons-y ensemble. Alors. Maman, viens me prendre, maman. Pourquoi je vis, maman? Maman, s'il te plaît, sœur Mouna est partie. Pourquoi est-ce que vous m'avez laissée seule? Maman, s'il te plaît, viens me prendre. Maman, maman, je veux mourir. Prends-moi, s'il te plaît. Je veux mourir. S'il te plaît, maman, s'il te plaît. Chita, lève-toi, s'il te plaît. Chita,
Chieta, allez, arrête de pleurer. Ça suffit, Carlos. Oui, ça va. Je t'ai donné la mort. Mais ça suffit. Ça suffit. Non, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Viens, on va aller derrière. Lève-toi, ça va, arrête de pleurer. Ça suffit, ça va, ça va. Ça va, arrête de pleurer. Aïe, non. Ne pleure plus, tout va bien. Non, tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Assieds-toi, allez, assieds-toi. Tout va bien, ça va. Arrête de pleurer, ok? Ne pleure plus. Tout va bien. Tout va bien. Oh. Allô? Allô? Grand frère Ken. Abraham, comment tu vas? Je vais bien, grand frère. Bon après-midi. Je suis vraiment désolé, mon frère. J'étais très occupé. Vraiment, vraiment très occupé. Grand frère, écoute. Munachi est portée disparue. Quoi? En fait, on la cherche. Ça fait plusieurs jours maintenant. Ah? Elle a disparu comment? Grand frère, je ne sais pas. Elle a juste disparu. On ne sait même pas où elle est. Ok, et tu es chez eux maintenant? Dans le téléphone à Chitachi. D'accord, grand frère. Chita, tiens, c'est un cœur. Il veut te parler. Chitachi, comment tu vas? Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Grand frère, je n'ai pas posé mes yeux sur ma sœur depuis plus de 3 jours maintenant. Je ne l'ai pas vue. Ah. C'est bon, ça va aller. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Remets le téléphone à Abraham. Remets-lui le téléphone. Allô, mon frère? Maintenant, Abraham, écoute, 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 écoute. Attends, attends, attends. Écoute ce que tu vas faire maintenant. Hein. Fais tout ton possible. Retrouver Munachi où qu'elle se trouve. Hein? Je vais t'envoyer un peu d'argent demain. Ok? Et s'il te plaît, dis à Blessing. Elle est restée avec Chitachi, c'est elle. Faudrait surtout pas qu'elle reste seule dans cette maison. Ok? Qu'elle est restée avec elle. Je vais rentrer bientôt. Très bientôt, je vais rentrer à la maison. Je vais venir les voir et voir ce qui se passe. D'accord, grand frère. On fera de notre mieux. D'accord. Au revoir, grand frère. Blessing. Blessing. Oui. Nkem demande que tu restes avec elle. Dans leur maison. Tu ne vas pas rentrer, ok? D'accord. Comme ça, tu vas aider à la calmer. Il n'y a pas de problème. On l'amène à l'intérieur. Chita, lève-toi, lève-toi, allez, lève-toi. Je vais rejoindre mes parents. Chita, lève-toi, on y va à l'intérieur. S'il te plaît, j'en ai pas. Ça va, tout va bien, ça va aller. C'est bon. Madoudourouma. Qu'est-ce qu'il y a? Menagwa Gifo, t'as bien agi l'autre jour, là. Karakata et des princes. Est-ce que tu sais que cette fille n'a rien dit sur ton fils? Vraiment? Sans tenir compte qu'elle est dans un poste de police, elle a décidé de fermer sa bouche. Un instant. Tu sais quoi? Si je te dis que cette fille est une sorcière. Elle l'est. Elle est une sorcière. Elle a une très grande puissance. Oui, elle l'a. Mais tu sais quoi? Je vais lui montrer que je suis Mazi Ogbo. Onyana Tuego, Oputa. Oui. Egunana Tuafo. Et bientôt. Bientôt. Et t'es hein? Pour. Elle va mourir et pourrir dans ce poste de police. Parce que personne ne va l'aider. Personne ne sait où elle est. Je vais lui montrer. Parce que personne ne sait où elle se trouve. C'est et personne plan. Ne viendra l'aider. C'est un plan parfait. Elle va avouer. Nyangure para. Nyangure para. C'est une sorcière. Je t'ai dit comme que cette dit. Fille est une sorcière. Oh. Tu vois? Les sorcières sont comme ça. Même si on lui pose des questions de maintenant jusqu'à demain, elle ne dira rien. Regarde comment ses parents sont morts. La sorcière qui a pleuré la nuit. Tôt le matin, l'enfant est mort. Oh, oh. Cette fille. Uh-huh. Ah. Regardons voir. J'attends. Je vous vois courir tous les deux. Qu'est-ce qui ne va pas? Ikena. Attends, bien. On me dégage un dubitant.
Kalia Sumbugi, hein? C'est quoi ton problème même? Pourquoi tu ne t'occupes pas de tes affaires pour une fois? Antcholoko keye wasabe. Keye wasalage. Asala buzakachi. Bia. Mbuna wala wala. Et dibe gome bemneje. Quand t'auras fini avec elle, tu sais où me trouver. Akwara kwanjike. Apara koko bemke mwa. Aka. Keke parti mwa. Ok. Aya fou. Chita, je ne t'ai plus revue depuis le jour où tu as dit que tu allais te coiffer. C'est quoi le problème? Nous ne savons pas où se trouve Munachi. C'est la raison pour laquelle elle pleure. Mais je t'ai dit qu'elle allait revenir, n'est-ce pas? Eh, ça va, ne pleure plus. Tata Biga! Chita, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu? Bonjour. Munachi! On ne sait pas où se trouve Munachi. Et ça fait 5 jours. Depuis 5 jours, tu dis? Waouh! Chita, ne pleure plus, s'il te plaît. Nous allons la retrouver. Ne pleure plus. Nous allons trouver une solution. Viens là, ma chérie. Ça va aller, ne pleure plus. Ne pleure plus, mon Dieu, ma pauvre enfant, ne pleure plus. Ça va aller. Hein, grande sœur, grande sœur. Grande sœur, viens ici. Dieu merci, papa est là. Où est-ce que tu vas? Je quitte le village pour la ville. Vu que personne ne m'aime dans ce village, vaut mieux que j'aille en ville où on ne me connaît pas. Ah, eh ben, dis donc. D'accord. Bon pied la route, mais tu dois faire attention à toi. C'est en ville que tu pars. C'est pas comme ici. À une moindre erreur, tu payes. Il va falloir que tu fasses attention. Merci. D'accord. Et toi, tu fais quoi là dehors? Allez, entre. Tata Abigail, c'est comme ça que ça s'est passé. Juste comme ça? Ha. Incroyable. Désolé. Ah. S'il vous plaît. Abraham, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez-moi, nous devons nous rendre au poste de police tout de suite. Genre, tout de suite, maintenant même. Abraham, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas le moment pour les questions. Attendez, du calme, du calme. Que voulez-vous dire? Que s'est-il passé? Je viens de vous dire que ce n'est pas le moment pour les questions. Nous devons partir maintenant, s'il vous plaît. Maintenant, vous comprenez? Mais nous n'avons pas d'argent parce que grand frère Kem n'a pas un coin. Voyez, que sommes-nous censés faire? Ça, c'est tout toi. Listen, ne t'en fais pas. J'ai un peu d'argent sur moi. Bien, j'en ai aussi un peu, je crois. Il faut y aller. Allons. Plus vite. Allons-y. Kem, mon frère. Je suis très content de toi. Tu as fait une belle réussite. Je suis très fier de toi. Depuis que tu es venu en ville, au moins, ton corps a changé, tout a changé, ta façon de réfléchir a changé. Avec tout le fric que tu t'es fait, je parie que très bientôt, on te donnera beaucoup d'honneur au village. Un petit jockey. Tout ça est grâce à toi. Oui, parce que si tu ne m'avais pas sorti de ce village, toutes ces choses ne seraient pas en train d'arriver. Arrête de me remercier. Remercie Dieu. Tu m'as mené dans cette ville. Tu m'as introduit dans tes affaires. Et à la fin, tu m'as casé. Et tu ne t'es même pas arrêté là. Tu m'as toujours soutenu avec de l'argent. Pour t'assurer que j'évolue. J'ai dit, Dieu va continuer de te bénir. Et c'est parce que tu comprends. Oui, mais sérieusement, c'est parce que toi, tu comprends. Sinon, il ne l'apprécie pas. Je prends des coups de couteau dans mon dos. Il me poignarde dans le dos. Mais seul Dieu paye. Il n'y a que Dieu qui paye, mon frère. Personne n'est supérieur à Dieu. Il n'y a que Dieu. Je te dis, mon frère. Mais bien. Mon frère, je... Tu sais, il n'y a rien que je ferais sans te mettre au courant. Tant que cette ville est concernée, tu es mon boss. Tu peux le redire. Le blanc dit le respect est réciproque. Bien,
Je veux rendre visite à la maison. Je veux rendre visite à la famille. Tu sais, depuis que je suis arrivé en ville, je ne suis pas allé à la maison. Et mes parents doivent déjà s'inquiéter pour moi. Ils doivent déjà sûrement se demander si j'ai vu même encore. Il est maintenant temps qu'ils sachent que les choses ont changé. Que ce Nkem qu'ils connaissaient est maintenant une autre personne. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher frère, que tu rendes visite au village. Les villageois, quand ils nous voient arriver, ils pensent qu'on a de l'argent. Sois sage. Fais preuve de prudence durant tout ton séjour. Tu me comprends? Ne salue pas n'importe qui et ne rends pas visite à tout le monde. Hein? Serre-toi ton cerveau, mon frère. Hein? Comme tu t'en vas au village, ne perds pas de temps. Deux ou trois jours suffiront. Tu rentres occupé de ta boutique. Ne traîne pas là-bas. Tu vois comment j'ai l'habitude de faire quand je vais au village. Hein? Mon frère, je te fais un excellent voyage. Merci vraiment beaucoup, mon frère. Viens, allons-y. Hey! Cet endroit est beau, hein? Vraiment beau. Allez, monte. D'accord. Pas mal la caisse. Tu es drôle, mon frère. Mon frère. Écoute, ça, c'est mon cadeau de Noël que je me suis fait. J'aurai bientôt la mienne, t'inquiète. Allez, monte, mon frère. Vas-y, monte, on y va. Tu as oublié d'ouvrir la portière de ce côté ou quoi? Hey! Bienvenue, Mouna. Grande sœur, tu m'as manqué. Papa est tellement méchant. Hein? Hey, Mouna, j'espère qu'ils ne t'ont pas blessé. Oh, mon grand frère m'appelle. Je ne sais pas si cette pluie va me permettre de lui parler. Allô? Oui, Nken. Grand frère, bon après-midi. S'il te plaît, je n'ai pas regardé, mais je vais le faire. Mais tu as envoyé, n'est-ce pas? Ok, je vais regarder. Nkem, nous revenons tout juste du poste de police là maintenant. Genre là maintenant. Ben oui, peux-tu t'imaginer que papa a fait arrêter Monachi? La disparition de Monachi, c'est l'œuvre de papa. Je t'assure. Mais il n'y a pas de problème, oui, elle vient juste de rentrer. Nous sommes chez elle. Oui, elle est là avec nous. Ok, laisse-moi lui passer le téléphone. Mouna, parle en Kem. Allô? Allô, Kem? Je vais bien. Kem, regarde, laisse-moi te dire. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Rien ne me fera changer, peu importe la situation. J'ai hâte. Ok. Bye. Waouh, c'est sérieux. Dieu merci que tu vas bien, Mouna. Bon retour à la maison. Abraham. Oui. Nous devons partir maintenant. On revient. Mouna, hein? Nous reviendrons. On revient. Au revoir. On va prendre ton bain. On arrive tout de suite, ok? Viens, allons à l'intérieur comme ça, okay. Tu prends ton bain. Hey, Siwane. Nai. Ah. Tu vois, j'ai eu la preuve. Que vous essayez de me tuer. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Nae, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Hein? Donc, tu crois que je ne peux pas découvrir ce que vous avez fait, hein? Nae, je ne comprends pas, oh. Tu ne comprends pas. Papa, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est toujours pareil avec toi. Qu'est-ce que nous avons encore fait? Ferme ça. Ça veut dire quoi? Il y a toujours quelque chose avec toi. Ferme ton clapet. Non, mais arrête un peu. Ce bouton. Vous croyez que je n'allais pas découvrir ce que vous avez fait? Je l'ai découvert. Tu vois? Je savais que vous aviez un plan. Ok. Est-ce que c'est pour ça que tu jacasses? Pourquoi est-ce que tu jacasses? Pourquoi est-ce que tu pleures? Mais tu as d'abord commencé. Toi et ton ami égoïste.
Vous croyez qu'on n'allait pas découvrir ce que ton ami et toi avez fait à cette pauvre fille Munachi? Nous l'avons découvert. Et pour ton information, même ton fils l'a découvert. Nous l'avons appelé au téléphone et nous lui avons dit. Au cas où tu ne le sais pas, ton fils Nkem est maintenant un homme très riche en ville. Il s'est occupé du problème de Munachi et de sa sœur. Hein? Eh bien, j'ai suspecté ça. Je l'ai dit. Donc, c'est ton plan. C'est notre plan. Et si Nguyen et toi, tu as planifié avec tes enfants de me tuer? Comment ça? Oh, tu voulais me tuer et prendre toutes mes propriétés. Quelle propriété? Ou est-ce que c'est toi qui compte tous nous tuer dans cette maison? Ce n'est pas toi. En parlons-nous. Vous tous, je vais vous donner une leçon l'un après l'autre. Ne vous en faites pas. On verra. Oh, toi, on verra. Cette vie, hein? Vous voyez ce dieu. Vous mettez ce dieu dans votre poche, vous ne connaîtrez jamais la honte. C'est lui seul qui sait de quoi il parle. Et ferme. Désolé, maman. Munachi, je suis à la maison. Munachi, Nkem est de retour. Hey. Nkem, grande sœur. Grande sœur, viens voir. Grand frère est de retour. Grande sœur, je suis à la maison. Viens voir. Je t'ai dit que tes larmes Nkem. Sont que pour un moment. Grande Mon sœur, amour, viens. Viens, je suis venu, je t'ai dit que Nkem allait réussir. Voici en chair et en os. Ne me regarde pas comme un fantôme. C'est moi, mon amour. C'est moi, c'est moi. Je suis de retour, je suis de retour. Tu sais quoi? Attends. Il va éteindre la radio. Mon amour. Je t'ai dit que tu ne vas plus pleurer. Que tout ce qui arrive, arrive pour une raison. Dieu a une raison pour tout ça. Et aujourd'hui, Dieu a accompli sa parole. Ok? Ok. Tu ne vas plus pleurer. Plus jamais de larmes dans ta vie. Ok. Voilà. C'est Tachi. Grand frère. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Tu m'avais manqué aussi. Tu nous m'avais tout manqué. Manqué. Mon amour. Et s'il vous plaît, vous allez m'accompagner chez moi. Vous toutes. Mon grand frère, j'espère que tu es venu accomplir la promesse que tu m'as faite. C'est pour ça que j'ai dit, allons chez moi. D'accord. Grande sœur, je suis contente. Mon amour. Munachi, tu vois, je t'ai dit qu'Nkem allait te revenir. Mais non, tu vois, il est venu te ramener à la maison. C'est bon, s'il vous plaît, pouvons-nous partir? D'accord. Mon amour. Mon Dieu. Oh Seigneur, merci. Tu ne vas plus pleurer, ok? Laisse-moi t'ouvrir la portière. Excusez-moi, je vais chercher mon sac. Ok. Je vais m'asseoir derrière. Dépêche-toi, s'il te plaît.
Abraham, mon frère. Mon grand frère. Hey, ah, mon grand frère. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ma mère. Hey, quoi? Tu m'as répondu, maman. Ma chère maman. Mon bisou. Maman. Oui, mon fils. Comment tu vas? Je vais bien. Papa. Hey! Au Batarabignou. Ken. Hey! Hey! Viens, 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 viens. Viens, viens. N'aie pas peur. Hey! N'aie pas peur. Seigneur, je suis là avec toi. Remercie, oh. Hey, papa. Jineke. Ken. Je sais que beaucoup de choses se sont mal tournées pour toi. Mais pour moi, c'est une bénédiction d'avoir quitté ce village. Oui. Je veux aussi te remercier pour tous les problèmes. Tous les coups durs, les disputes, les bagarres. Sans cela, je n'avais pas décidé de partir en ville. Et aujourd'hui, j'ai béni ton fils. Dieu a béni ton fils grâce à Tijoke, qui a décidé de s'occuper de moi. Que Dieu le bénisse. Et aujourd'hui, je suis un fier propriétaire d'une voiture. Je vais te laisser celle-ci. Hein? Oui, je vais laisser celle-ci pour papa. Pour papa? Pour lui ou pour moi? Pour lui, comme ça, il va l'utiliser pour t'amener au marché. Mais tu vois notre terrain à Moku. S'il vous plaît, je vais commencer à la défricher, comme ça je vais commencer à construire ma propriété là-bas. Oui, Dieu nous a bénis. Sois le bienvenu. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Nachi. Monsieur. Vas-y, vas-y. Enfin. Je suis également désolé. Je suis désolé pour tout ce que je vous ai fait traverser. Vous voyez, au fur et à mesure que nous avançons, nous apprenons. J'avais une autre vision. Une vision motivée par l'égoïsme. Et les mauvais conseils. Je suis désolé, vraiment désolé. Hein? Pardonnez-moi. Je n'ai aucune rancune contre toi. Ce que tu as fait n'a tué personne. Ça n'a tué personne. Au contraire, ça nous a rendus plus forts. Alors, tu ne dois pas t'excuser. Papa, tu l'as entendu? La petite, comment est-ce qu'elle s'appelle encore? Cheta. Cheta. Cheta, viens. Ça va aller, hein? Sois la bienvenue. Hey! Sois la bienvenue. Hey! D'accord. Vous voyez, c'est bien d'avoir un changement de cette façon. Eh bien, vous qui nous regardez, apprenez de ça. Toi, père, toi, mère, ne force pas ton enfant à agir contre sa volonté. Si tu dois choisir, fais attention. Guide-les, dirige-les correctement. Mais qu'ils suivent leur cœur. Parce que si tu insistes, ça pourrait finir par un chaos. S'il te plaît, le monde est merveilleux pour nous tous. Nkem. Papa. Je dois bénir cette union. Ok. Alors viens là. Mettez-vous à genoux tous les deux. Je vous bénis tous les deux aujourd'hui. Vous connaîtrez le bonheur. Ici. Nkem, rien ne sera difficile pour toi. Ici. Tu poses tes mains, tu prospéreras. Ici. Vous aurez les progénitures. Ici. Viens les élever. Ici. Tour, prendre soin de vous dans votre vieillesse. Ici. Et c'est comme ça que ça doit être. Peu importe ce que vous utiliserez pour vos enfants, vous ne manquerez pas. Ici. Je bénis cette union aujourd'hui, le matin, à midi et le soir. Ici. Pour les très bonheurs. Ici. Levez-vous. C'est bien. Merci, papa. C'est très bien. C'est bien. Hey, ma belle-fille. Maman. Sois la bienvenue dans notre famille. Sois la bienvenue. Merci, maman. Maintenant, voici ta nouvelle maison. Oui.
Abraham. Grand frère. Ouvre la malle et retire ces choses que j'ai apportées, d'accord? D'accord, grand frère. Qu'aime mon fils. Maman. De tout ce qui est arrivé, j'adore tout et j'aime aussi tout. À part une chose. Maman, qu'est-ce que c'est? La voiture que tu as dit que tu donnais à ton père au lieu de me donner. Mais papa va te porter pour t'amener au marché. Je vais t'amener pour toi. Je merci, suis tellement maman. Contente pour merci, toi. Maman. D'accord, merci, maman. Sois le bienvenu. Allons-y à l'intérieur. Allons à l'intérieur. Okay. Ok. Nous allons fêter ça. Allons-y. Soyez les bienvenus. Allons-y. Hey. Soyez les bienvenus. Va aider ton frère. Va prendre ces choses. Va aider ton frère. Hey. Hey, Nay. Allons-y. Viens voir, allons-y. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.